got the devil in your eyes. You whip and took me by surprise. Et je suis au milieu de Peter là comme ça. Je sais pas ce qui s'est passé entre Julien et moi, j'ai crash. Et voilà, j'avais Fireman qui était en mode de rose, j'ai vu un serveur, on peut pas comme un PC, juste on va devoir un PC. What it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden. Début du midi, they can't ever break us down, cause we're golden. They're about to see us glow, cause we're golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. Parce que moi j'entends pas ce qui se passe sur 5M, je sais pas. D'ailleurs, je peux faire ça tout simplement, je suis un connard. Allez, allez. Pourquoi ça met longtemps là? Il se passe quoi? Beaucoup d'études, beaucoup de choses sont en débat. Peut-être une sécurité sociale, une mutuelle, on ne sait pas encore, mais je veux que tout le monde ait accès aux soins. Je veux laisser personne sur le carreau. L'événementiel qui sera le nerf de la guerre de mon projet, j'ai raté quoi. De mon mandat, toutes les semaines, j'essaierai d'organiser un événement par le gouvernement ou bien sponsorisé par le gouvernement. Donc, au même titre que la création d'entreprises ou la création d'objets, messieurs les entrepreneurs, mesdames et messieurs les citoyens, n'hésitez pas à déposer un projet d'événement. Il pourra tout à fait être sponsorisé, financé par l'État. Parce que sponsorisé, ça fait un... Et pour finir, toutes les semaines, j'organiserai des tables rondes. Des tables rondes citoyennes, des tables rondes d'entreprises privées, des tables rondes d'entreprises publiques. Les gens qui auront des choses à dire seront les bienvenus. Les gens qui n'ont rien à dire, surtout pour les entreprises, si vous n'avez rien à dire, ne venez pas, sauf si vous voulez participer au débat. Et le dernier point, un point qui m'a été abordé sur Twitter par une certaine Liz, que j'ai trouvé très intéressant, la création d'un conseil des citoyens représentatifs. Donc il serait en chiffre appel pour permettre le vote. Qui représenterait services publics, services privés, citoyens, intérieurs, un petit peu tous les corps de métier, toutes les situations de la vie. Et ce conseil servirait, non pas de, ne serait pas décisionnel, comme son nom l'indique, un conseil. Donc il sera là pour nous conseiller sur comment faire les choses, ce qui eux jugent nécessaire, ce qui eux jugent meilleur ou moins bon. Ouais, beaucoup de blabla pour finalement rien faire. Voilà les points d'habitude. Sur lesquels j'ai envie d'appuyer, car c'est vraiment des choses importantes pour moi, pour ce premier gouvernement, pour cette instauration. Merci à vous. Bravo. On arrive à la fin. Bravo, 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 bravo. On arrive à la fin. Donc maintenant, on passe sur les questions. Écoutez, mesdames et messieurs, on va passer sur les questions. Si certains d'entre vous ont des questions, n'hésitez pas à lever la main. Ah, je suis d'accord. Oh. J'hésite, moi, je fais maintenant ou pas? Moi, monsieur. Vous comptez remplir les entreprises? C'est vraiment la crise. Qu'est-ce que vous appelez remplir les entreprises? Ah, on est plus payé, nous. Comment ça? Vous travaillez où? Je travaille quelque part, dans une entreprise. D'accord, mais ça c'est un problème qui... C'est une entreprise privée ou publique? Publique.
une entreprise publique. Donc dans ce cas-là, vous prendrez rendez-vous avec monsieur le procureur. Si un problème se passe entre citoyen et une entreprise privée, une entreprise publique, pardon, ça sera à mon collègue de voir, monsieur le procureur. Ça marche. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, à faire une demande, lui expliquer la situation. On verra les solutions qui sont possibles. Chuchoter, on vous entend. À savoir, hein, je me permets de répondre un peu à la question. Oui, que toutes les entreprises qui ont été ouvertes en ville ont reçu bien évidemment une aide de départ. Si certaines entreprises sont passées un peu dans les mailles du filet, ne pas hésiter une fois que le... même avant, j'allais dire une fois que le nouveau gouvernement sera en place, mais à faire remonter dès à présent, si certaines entreprises ont été oubliées, qu'on puisse effectivement vous venir en aide. Quelqu'un d'autre ? Oui, Monsieur Taylor, patron du vignoble. Moi. J'ai une question pour les véhicules d'entreprise. Ça fait depuis qu'on est arrivé en ville, que la ville a ouvert ses portes et qu'on a ouvert notre entreprise, qu'on demande des camions d'entreprise. Actuellement, on n'a toujours pas de nouvelles par rapport à ça. Du coup, je pose la question. D'accord. Malheureusement, je vais peut-être vous décevoir, c'est un problème qui est lié aux instances supérieures. Donc c'est un problème que vous pourrez me remonter, que je pourrais remonter moi-même, mais auquel je n'ai pas de pouvoir. Je n'ai pas d'architecte, je n'ai pas de maçon, je n'ai pas à vous. Donc c'est un problème qui est très lié aux instances supérieures. Très bien, je note. Merci. Si jamais il y a d'autres soucis comme ça, effectivement, comme a dit Madame Jones, tous les problèmes qui pourraient intervenir au niveau de vos entreprises, que ce soit sur les véhicules, que ce soit sur les fonds, les tenues, les problèmes de fermeture, voilà, les choses comme ça, effectivement, c'est vraiment les instances supérieures qui gèrent ça. Maintenant, si vraiment il y en a qui ont des soucis qui sont très urgents, n'hésitez pas à la fin, quand on aura terminé un peu la partie meeting, à venir me voir. Je prendrai note de vos demandes et j'essaierai de les faire remonter très rapidement aux instances supérieures de la ville. Surtout si c'est un problème qui vous empêche de travailler, là ça devient... Justement, j'en profitais parce que vu que vous faites un peu intermédiaire du coup maintenant entre nous et eux, du coup voilà, je préfère vous... Bien sûr, il n'y a aucun problème, hein. C'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à la fin de ce party meeting à venir me voir, moi je prendrai note et je le ferai remonter dans la soirée aux instances supérieures. Et c'est aussi à ça que serviront les tables rondes. Le jour où il y aura une table ronde, vous serez conviés, n'hésitez pas à préparer vos questions, à venir, on en discute. C'est aussi à ça que ça servira. Une autre question peut-être ? Oui. Madame ? Oui. L'agence immobilière, est-ce qu'elle est considérée comme un service public ? Allez-y, madame en rouge. Ah, d'accord. Ouais, peut-être crier. Oui, donc, vous avez sur votre programme un système de... Enfin, vous proposez un système de sécurité sociale. Gratuite pour tout le monde. Donc, en gros, ça serait pris à 100%, c'est ça ? J'ai envie d'instaurer un système de sécurité sociale accessible à tous dans une priorité. D'accord. Mais vous pensez pas que les entreprises... Je ne veux pas dire gratuit, attention. Vive le RSA. Okay. Sauf que vous ne pensez pas que les entreprises de mutuelles et assurances qui sont en ville vont faire faillite avec votre système de sécu. Aujourd'hui, je n'ai pas eu d'infos sur une entreprise d'assurance. Écoutez, vous avez une patronne devant vous qui vous pose la question. D'accord, j'ai pas eu l'info. Veuillez m'excuser, mais c'est une solution tout à fait envisageable. Très bien. C'est une solution qui fait partie du fil de pensée que j'ai. Juste pardon, parce que j'ai pas suivi. Du coup, vous êtes, parce que vous, j'ai pas entendu votre nom, peut-être. Hein. La madame. Vous êtes madame. Oui. Madame Alvarez. D'accord, et du coup, vous faites quoi en ville ? Mon entreprise, elle est en construction, donc j'ai une entreprise de mutuelle et assurance. D'accord, très bien. Ah, effectivement, après, le texte pour la sécurité sociale n'est pas forcément figé. C'est-à-dire que les entreprises pourraient éventuellement passer par vous pour avoir un système de soins gratuité pour l'employé. On va avoir une carte. C'est une mutuelle privée. Elle est ouverte, votre entreprise ? Bientôt, bientôt. Non, d'accord. Actuellement non, mais bientôt. J'ai une question. Dites-moi. Est-ce que pour vous, l'agence immobilière sera un service public ? Pour moi, l'agence immobilière est un service qui me paraît privé. D'accord. Pour moi, c'est quelque chose qui me paraît privé. Après, c'est quelque chose qu'on va discuter. Peut-être aussi que les grandes instances auront un choix à faire.
peut-être que vous, vous avez une préférence. C'est quelque chose qu'on discutera. Mais pour moi, ça me paraît logique qu'elle soit privée. Particulier à particulier. Hein. À discuter. Quoi, tu m'as dit quoi? Ma tête, y'a quelque chose d'autre? J'ai une question. Dites-moi. Est-ce que vous pensez changer le prix des bouteilles d'eau et des bouteilles? Parce que ça revient quand même cher, hein. 10 balles la bouteille d'eau. Oui. Oui, oui, je pense que les BC, pour moi, le prix est assez élevé. Ça me paraît un peu cher, 10 balles pour un bout de pain. Donc oui, c'est prévu. Et j'ai une question. Dites-moi. On parle beaucoup de finances, de potentiellement rembourser la sécurité sociale, tout ça, tout ça. Le pognon, on est d'accord qu'il sort pas du cul des vaches? Vous comptez mettre des impôts et tout ça? Oui. Avez-vous pensé dans ce cas-là aux différents quartiers difficiles, notamment ceux du sud? Je pense peut-être à Grove Street, Forum Drive, ce genre de choses. Oui, ou que personne ne sera oublié, comme je l'ai déjà dit. C'est pour ça que je veux créer un système accessible. Il y a des métiers dans toute la ville, tout est possible. Il suffira de ces gens de se présenter au Pôle emploi. Pour la sécurité des soins, il y aura un système de soins pour ces personnes-là. Donc oui, oui, ça fait partie. Je ne parle pas au niveau des soins. Allez, à quel niveau ? Je parle au niveau de potentiellement réclamer de l'argent à ces personnes en difficulté. Réclamer, ça me paraît compliqué de réclamer à des sous à quelqu'un. Ah, des impôts, c'est comme ça que ça marche. Si on a en effet les appartements, les impôts sur les appartements, oui, le jour où ça sera mis, le jour où ça sera mis en place et ça va se mettre en place, pensez-y que je, d'ailleurs, je pense certainement que vous allez mettre ça en place, une taxe habitation. Oui, en effet. Donc, est-ce que vous comptez mettre en place ce genre de taxe sur les quartiers difficiles? Telle est ma question. Je pense que cela dépendra des appartements, en effet. Appartements. Il y aura une, comment ça s'appelle, un barème qui sera mis en place, au même titre que les impôts sur le revenu des entreprises. Il y aura un barème qui sera mis en place. Les plus démunis auront un échelonnage très bas, qui sera favorisé, qui sera avantageux plus pour eux. Les plus aisés. De nos entreprises et nos habitations auront en effet un échelonnage plus haut. Je me permets d'intervenir. Dites-moi. Je pense que ce genre de questions, c'est des questions ouvertes qui seront amenées à être débattues dans les tables ouvertes. Ah oui, oui, parce complètement. Parce que ce genre de choses, je pense que ça intéresse tous les concitoyens. Votre question est bonne. Je pense que c'est pas à débattre. Donc que tant que l'agence immobilière n'est pas en place, tant que vous n'avez aucune idée des tarifs, tout ça, c'est compliqué de répondre à cette question. Je suis bien d'accord, mais notez que sur tout le blabla qu'il y a eu, il y a beaucoup eu de patrons d'entreprises, de services publics et tout ça, mais à aucun moment, personnellement, je n'ai entendu parler des petits gens. C'est pour ça que je préfère soulever ce détail, après il y en a peut-être d'autres que moi j'ai peut-être pas envie d'en parler, mais ça serait bien que dans votre programme, au moins, ils soient cités, c'est brave. Mais l'accès aux soins pour tout ce que vous appelez les petits gens? Il n'y a pas que la sécurité sociale dans la vie. Non, mais l'accès aux soins, c'est un point important. Pour ces personnes, ça leur fait économiser énormément de sous, par exemple. Donc on parle bien d'argent pour les petites gens. Encore une fois, cet argent sort des impôts. Sort des personnes les plus riches qui participaient à l'effort social collectif pour aider ces petites gens, oui. Tant que c'est dans cet endroit-là, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Ah oui, oui, non, mais de toute façon... Ça a été, alors effectivement on va pas en débattre, mais la question restait vraiment très intéressante et très pertinente. Hein. Mais effectivement ça a été annoncé dans le programme que, au même titre que les entreprises seront taxées à hauteur du chiffre d'affaires qu'ils feront, c'est-à-dire qu'une entreprise qui aura beaucoup d'employés, qui fera énormément de chiffre d'affaires, sera forcément plus taxée qu'une entreprise qui a que 1 ou 2 employés. Si c'est 20% pour chaque entreprise, ça reste 20%. Après, plus le bénéfice est élevé, évidemment, plus les impôts sont élevés. Mais on reste bien sur le bénéfice, pas sur le chiffre d'affaires. Oui, bien sûr, mais c'est pas là que je veux en venir. Vous parlez du bénéfice, effectivement, pas du chiffre d'affaires. Hein, parce oui, bien sûr, du bénéfice. D'accord, oui, okay, tout d'accord. Non, mais c'est peut-être moi qui me suis mal exprimé. C'est pas vraiment là que je voulais en venir, c'était pour dire que, voilà, les gens qui, comme disait Madame Jones, que les gens qui gagnent le plus seront là pour aider ceux qui gagnent le moins, et les gens qui gagnent le moins seront bien évidemment moins... voire pas taxé que les personnes les plus riches de l'aide. Ouais, c'est plus là que je voulais en venir. Une question aussi par rapport aux impôts. Vous comptez taxer les entreprises et les citoyens ou que les entreprises et non les primes des citoyens ou
dans l'immédiat, les citoyens ne pourront pas taxer. S'ils sont taxés, ça sera plutôt une taxe foncière plus tard au niveau des appartements. D'accord, ok, sur leur salaire à eux, il n'y aura pas de prélèvement. C'est pas prévu, c'est quelque chose. Pourquoi je fais ça, pourquoi je parle en public, c'est. Ça permet en fait aux gens que ça rentre dans la tête. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et ça fait un peu agir quand même, donc on va pouvoir mettre ça en place. Peut-être parler un peu plus fort, mademoiselle. Oui, c'est bon. La taxe sur l'habitation, ce serait pour les personnes qui ont un bien immobilier et pas ceux qui sont locataires, ou les deux. Ouais, je pense que ça va de soi, c'est pour ceux qui sont propriétaires. Ça sera sur le propriétaire, je pense. Ok. Confirmation. Ça sera bien sûr comme. Ce qui me paraît le plus logique en effet. Ça sera forcément le propriétaire qui sera taxé. Putain, Lynn, je répète un peu. Locataire ou le bailleur en cas de location, peut-être. Voilà, très bien. Tout à fait. Je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter, les taxes ne sont pas là pour assommer. Bien sûr, bien sûr. Yang est passé où? À savoir que. Beaucoup de cet argent-là sera effectivement pour subvenir aux soldes et aux entreprises publiques de la ville. Hein. Donc oui, c'est pour la LSPD, pour les EMS, eux aussi puissent avoir un salaire. Ok. Bon, et bien écoutez, si personne ne donne notre question. Y'a plus de questions? Dites-moi. Peut-être une dernière. Oui, allez-y. Pourquoi voter pour vous plus que pour votre concurrent? C'est la question. Alors... Je pense que c'est une question de fin qui se posera bien. Ouais, ça, c'est la question. Écoutez, c'est une question de programme, ça. On va commencer déjà d'une. Premièrement, comme dit monsieur, c'est une question de programme. Chacun fait son choix. Moi, j'ai relevé certaines choses qui, à mon sens, me semblent meilleures dans mon programme que dans le sien. Ça sera à vous d'en juger. Moi, j'ai des choses, j'ai un procureur, je n'ai pas de trou dans mon programme, je n'ai pas de légalisation de cannabis, je n'ai pas de. Ça sera à vous de voir ce que les choses qui vous. Les choses... Ce n'est pas à moi de décider. C'est pas à moi de décider ce que vous allez voter. Mais en tout cas, moi je considère mon team comme complet. Comme j'ai l'impression d'être quelqu'un de motivé, vous l'avez vu, on se croise assez souvent, messieurs et mesdames d'ailleurs. Il y a beaucoup de personnes d'entre vous que j'ai déjà croisé plusieurs fois, que ce soit en tant que citoyenne ou en tant que futur gouverneur. C'est vrai, je confirme, même jusqu'au vignoble. Beaucoup de discussions. Vive Madame même jusqu'au Jones. Nord, même jusqu'au nord au vignoble, en effet. Pas encore Little Sea. Donc voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Faites votre choix en âme et conscience. Regardez bien tous les programmes, lisez-les bien. Ne votez pas avec votre cœur, mais avec votre cerveau. Une petite question, peut-être de fin, si je peux me permettre. Question illégalité. On est d'accord, dans votre programme, vous n'en parlez pas, vous n'avez aucune. Aucune idée. Aucun projet sur l'illégalité de la ville. Non, le code pénal est déjà en place. D'accord, voilà, vous comptez vraiment rester dans le légal à 100%, quoi. C'est-à-dire, je vais vous demander de vous dans la rue, j'ai pas compris. Non, je crois qu'il veut parler d'un changement du code pénal. Pas vous, voilà, exactement. Un changement du code pénal. C'est dans mon programme. Moi, je compte garder le code pénal comme il est actuellement, il me coûte bien. Les amendes et les peines de catégorie 1 et 2 ont été revues à la baisse récemment par les instances supérieures. J'ai bien précisé que moi, je comptais garder les amendes pour crimes, qui sont de catégorie 3, qui sont des choses assez graves. Au niveau, ils ne baisseront pas. Il y aura un système mis en place au niveau de la récidive, parce qu'une personne qui commet un petit excès de vitesse ne mérite pas une amende de $500. Peut-être qu'il faut se dire que cette personne, lui faire un rappel à l'ordre, peut-être lui enlever un point sur son permis et lui prendre $200 suffirait. Et bien évidemment que la récidive sera punie. C'est dans mon programme, si vraiment. Ça sera dans l'onglet justice, si ça vous intéresse. Et question par rapport au radar, est-ce qu'ils vont augmenter en nombre? Est-ce qu'ils vont changer constamment de position? Alors, après, c'est en dehors de tout programme, j'ai remarqué que le radar avait quelques soucis au niveau des amendes. J'ai une personne qui s'est fait prendre à 96 à la place de 90 qui a payé plus que prévu.
Donc d'après le code pénal, on est censé payer 15. Si je ne m'abuse, il a payé 50. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra régler avec la LSPJ. Les radars fixes, certains resteront en place. Ah, la LSPJ, c'est de la merde. Certains resteront en place. On va leur parler des formations. On va en discuter avec le capitaine, de voir quels radars sont pertinents, quels ne le sont pas, est-ce qu'il faut les changer, est-ce qu'il faut les déplacer. C'est des choses qui seront en discussion plus avec la LSPJ. Mais je compte garder les radars. Très bien, très bien. D'accord. Bien sûr, si je peux me permettre d'ajouter quelques petits points. Effectivement, les radars resteront en place. Hein. Les radars sont pas là pour remplir les caisses de la LSPD comme certains pourraient penser. Les radars sont vraiment là pour votre sécurité. Il y a des chauffards en ville qu'on croise tous les jours qui roulent à des vitesses pas possible. Donc les radars sont vraiment là pour votre sécurité. Dites-vous qu'un jour c'est peut-être vous qui allez traverser la route et ce chauffard là va vous percuter et malheureusement vous ou vos enfants. Donc les radars sont vraiment là pour la sécurité maintenant, ils sont pas là pour gonfler les chiffres de la LSPD. Donc effectivement, avec les instances supérieures, on va voir pour baisser le prix des amendes des radars. Et il y aura forcément sur les radars une marge par rapport à la vitesse. Hein. Donc, oui, par rapport à la marge d'erreur de la voiture, voilà. Par rapport à la marge d'erreur du radar, évidemment. D'accord. On parle beaucoup du LSPD, mais j'ai cru comprendre que le BCSO a dû fermer pour manque d'effectifs et tout ça. Vous comptez trouver une solution à ce sujet ? Je n'ai pas cette info. Je sais qu'il ferme pendant un petit temps. Pas pour manque d'effectifs, pas du tout. C'est pour d'autres raisons. Mais oui, le BCSO dans un futur réouvrira ses portes. Effectivement, c'est une de mes lignes principales de mon projet. Si jamais je suis mis en place au poste de procureur, c'est vraiment un point sur lequel je vais m'axer très rapidement. À ce que le BCSO soit actif et en nombre suffisant pour sécuriser bien évidemment tout le nord de la ville. Oui, en particulier les vignerons par exemple. Voilà, tout à fait. Que toutes les entreprises et les citoyens qui sont dans le nord soient en sécurité. On est les gars. Toutes ces zones de Paléto, cette zone. Ouais, va falloir profiter, dès qu'on peut, va falloir profiter que le BCSE n'est pas en activité et va falloir s'occuper des braquages dans le nord. Ouais, c'est logique. Je pense que du coup ça a augmenté les braquages là-bas. Effectivement, je chuchote. Hein. Ouais, ce que je fais. Okay. On vote pour qui alors du coup? Parce que eux ça a l'air pas mal, mais l'autre est plus. Ce qui me casse les couilles, c'est pour moi la légalisation de temps de coq ou autre, c'est de la connerie en barre. C'est un peu con. C'est de la connerie en barre parce que le business au final, lui, risque de fondre. Donc, à mon avis, on va plus voter pour elle, je pense. Vous avez repéré laquelle de ces personnes est la future gestionnaire des appartements? Oui, derrière moi. C'est la personne en rouge. Ouais. Ah, ok, d'accord. C'est pas celle qui fait la mutuelle? Elle, c'est. Non. Si, c'est la mutuelle. C'est elle. La mutuelle. Je vous cherchais. Ouais, elle, c'est la mutuelle. Non, je vous envoie un message. L'immobilier, elle est pas là, la fille, je crois. Ah, si, elle a parlé, non? Ah, si tu veux, tu me laisses une demi-heure. Ouais, mais le fait qu'on s'occupe des assurances et logements, on va lui parler. Non, c'est surtout qu'au niveau immobilier, ça serait bien qu'elle évite de mettre des appartements à Little Seoul sans demander notre avis. Ouais, c'est trouver une solution. Mais bon, c'est encore là. Oui, mais bon. Non, on menace pas, juste discuter. Ouais. Discuter. N'hésitez pas, la première boisson, elle est pour moi. Il va falloir voir aussi si le point de blanchiment a bien été mis en place. J'ai cru comprendre qu'il va falloir peut-être retourner à la Superette pour vérifier. J'ai vu qu'une autre instance m'avait demandé justement où est-ce qu'il fallait mettre en place le point. Donc à voir. Je sais pas si ça, si d'ici si là c'est déjà fait ou s'il faut attendre. J'ai pas écouté. Le business va se mettre en place, mais j'ai l'impression qu'il faut attendre encore un peu. Ah, ok. C'est en cours. Ah, c'est en cours. On m'a envoyé un mail pour demander justement l'emplacement de la supérette. Donc c'est qu'il est en train de taffer dessus là. Ok. Mais du coup c'est proche de la gas station. Oui, c'est littéralement dans le. Ouais, normalement c'est là, dans la supérette. Hein. C'est dans la supérette. On est d'accord. Hein. Ok, ouais, c'est derrière quoi. Voilà. Ouais. Ça sera là-dedans. Mais donc, c'est bien. Privatise... Non. C'est, les gens peuvent venir et tout ça. Il y a juste nous qui aura accès à la, à la comptabilité et tout ça. Il faudra fermer la porte quoi, c'est tout.
Même pas spécialement, les gens ils peuvent venir et acheter leur pain et repartir, c'est pas un problème. De toute façon, il risque de rien trouver, c'est nous qui avons les clés. Oui, mais voilà, me fais pas de soucis, y'a que nous qui avons accès. Oui, mais de toute manière, ça sera dans votre quartier, donc je pense pas qu'il y aura des gens qui viendront. Ouais. Non, nous de notre côté, enfin moi de mon côté, j'ai bien spécifié qu'on avait le droit de se balader dans la Little Seoul, mais pas non plus rester planté comme un radis quoi. Vous voulez pas qu'on aille discuter avec celle de l'assurance qui me fait un peu de peine là, et toute seule là. Mais j'allais vous demander de me laisser quelques secondes. Bah, attendez, regardez, il y a une deuxième donzelle. Allez. Ah putain, les charros sont déconnés. Bon, allez-y. Si vous trouvez celle-là qui fait les appartements, ça m'intéresse. Il est avec moi. Ok. Personne. Ok. Assume d'être charro. Ça passe. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Bah non, on s'est déjà vu, Chan, et... c'est bah juste... Oui, mais bon, un excès de politesse. Qu'est-ce qu'il est parti manger un dos? Ah, tu m'as pas encore donné la facture? Oh non, faut qu'on fasse avec la facture. Oh, mais c'est pas compliqué, hein. Parce qu'il y a que des excès de vitesse, alors il faut pas payer. Ah, là, tu te mets ah en bah ça. C'est ton muscle A. Ça change. Ok. Monte ton son à fond. Je ferme. Vas-y. Tu te mets en crier, donc avec ton muscle H. Tu montes ton son à fond. Oui, voilà, c'est bon, il y a payé. Merci. Oh, vagos putos. Oh putain. Tu as un problème? Non, pas de problème, tranquille hein. Tu fais quoi ici? C'est pas vraiment l'endroit pour chercher les crosses hein. Il est où ton gang? Il est en train de bosser, et toi il est où le tien? Ah bah moi j'ai un mec là et j'ai des mecs qui bossent. Aussi. Bah là il est sur la mer parce qu'il a volé un jet ski du coup. Jiki, repose le jet ski. Et regarde en bas à droite, ça change. Ouais, du coup. Ah oui, exact, ouais, je suis en crier. Voilà. Ça dit quoi? Vas-y, relance. Je te vois bien, qu'est-ce que tu veux que ça se passe? Ah ouais, mais t'as pas de vie, toi, en fait, c'est nul ta vie, elle est rainée, non, un peu? Bon, sinon, est-ce que vous êtes fait autant chier que moi sur ce meeting? Oh, bah nous, on n'a pas écouté, hein. Quand elle a dit que l'illégal, il y en aurait pas, bon, bah, nique sa mère, hein, bah. Je sais pas. Et surtout, quand elle a dit les amendes seront augmentées avec récidive, bon, là, on s'est encore plus barré. Moi, ça comme on dit, pas vu pas pris, c'est pas le problème. Ouais, mais bon, si on bosse bien, le pognon au fur et à mesure, les amendes, on s'en battra les couilles. Ah bah j'espère, un jour, peut-être. Bon, allez, moi je vous laisse, je parle pas avec les vagos putos. Ouais, prenez à manger ici au moins. Bah... Ah putain, mais qu'est-ce que... Bon, est-ce que vous avez pris une petite boisson sur mon compte? Il pense qu'il a envie de se prendre une balle, ce garçon. Bah, de croire que les gens, ils ont pas compris qu'ils avaient une balle. Je crois surtout qu'il y a une notion de respect qui a été un peu oubliée. Bah, moi, il pense qu'il va aller foutre une balle, si ça va se passer comme ça. Et qu'on verra si le respect lui passe aussi rapidement dans la tête que ça. La guerre de gang, c'est pas vraiment la meilleure des solutions. Hein. Moi, ce sera pour une guerre, ce sera un assassinat. Certes, vous doutez bien qu'ils vont chercher le coupable et que ça va bien finir par savoir un moment ou un autre, vous doutez bien. Bonsoir. Et c'est pas bon pour le business, la guerre de gang. Ah, juste prendre un truc à manger et à boire. Ah ouais, qu'est-ce que vous voulez? Hein, c'est vrai que vous allez voir son chef à ce petit con. À boire rôti, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est bon, la police, elle est partie voir le mec en en quantité ou juste... Hein? Vous avez prévenu la police? Comment? Mais la police, elle est pas là-dedans. Mais la police, elle a rien à faire là-dedans, là. De lui dire comme quoi elle m'avait traité de gelatine noire. Putain. Mais cherchez pas les emmerdes, si c'est vous qui allez prendre une balle dans la tête, ça se trouve. Moi, je ne risque rien. Personne n'est intouchable, hein. Personne n'est intouchable. Sauf Akitan. Oui, mais ça, c'est dans les films, ça. Ah, t'es mon grand-père d'Akitan, hein. Oui, je sais. Vous me l'avez déjà dit. Bah oui, hein. Putain, mais il veut pas se barrer avec son putain d'hélico qui fout un bordel depuis tout à l'heure, là. C'est bon, on va pas faire un assassinat, bordel. Elle est où, Lana? Perdu Lana. Bah, c'est où qu'on mange? C'est où qu'on mange? Course poursuite. Mais pour course poursuite ici, sérieusement, mais
Bah t'es des pooters là-bas. Les balas, comment ils ont l'air un peu plus foufou quand même, hein. Moi je pense que c'est pas foufou, je pense que c'est complètement con. Pour l'instant je vais mettre le bénéfice du doute et je vais me contempler de foufou. Moi il n'y a pas le bénéfice du doute, il les a déjà croisés plus d'une fois. Ah oui, vous êtes en ville depuis longtemps, oui c'est normal. J'aime bien avoir ma propre avis monsieur, on dit beaucoup de choses. Bonsoir. Je vais vous proposer de manger et de quoi boire. Bah ouais tu te débrouilles. Bon, je vais retourner vite fait à Little Seoul, voir si l'agencement a été fait. De quoi manger et de quoi boire, s'il vous plaît. De Coca-Cola, ouais, c'est ça. Ou un Fanta. N'importe. Fanta, ouais, c'est bien. C'est qui les Seoul, je retourne à Little Seoul. C'est les deux hommes, question de noir et blanc. Ils sont où? Ils sont pas sûrs, ils sont déjà occupés. Les quartiers défavorisés ou quoi? Ça se passe bien ici? Faudra voir parce que. Désolé, je vois juste mes gars qui sont autour de deux demoiselles, je me demande ce qu'ils font. À qui je l'honneur du coup? Lana Stone, agent immobilière. Ah! Alvarez. Oui, et vous c'est la mutuelle, c'est ça? Celle-là qui risque d'être au chômage avant même qu'elle ouvre l'entreprise. Oui, c'est ça. C'est malheureux qu'on se retrouve avec ce genre de situation. Enfin bref. Faudra que je vous parle du coup, mademoiselle Lana Jones, c'est ça? Non, Stone. Jones, c'est Stone. La personne qui. C'est oh putain, oui, d'accord. Non, j'ai mélangé les deux, j'ai fait un micmac. Madame Mary Jones, moi c'est Lana Stone. Lana Stone, ok. Faudra que je vous parle un peu plus tard quand vous aurez votre business mis en place. Tout à fait, par rapport à quoi? Si j'ai bien cru comprendre, ça serait sur demande, vous mettrez des appartements, enfin vous ferez des achats ou locations d'appartements à des endroits bien spécifiques, si j'ai bien compris, c'est ça? Tout à fait. Dans ce cas-là, j'aurais peut-être une petite requête. Ce serait? Disons que le quartier de Little Seoul, d'accord, j'aimerais bien éviter que certaines personnes s'y installent, qui ont mon approbation avant. C'est pour ça que je veux faire des permis de construire qui passent par la mairie, par du coup par le gouverneur, que ce soit validé, que ce soit que tout permis de construire soit dit publiquement, pour au cas où il y ait ce genre de soucis justement, monsieur. Pas de soucis, c'est... Justement, j'ai déjà pensé à ce genre de choses, que des gens ne veulent pas forcément que d'autres personnes habitent à côté de chez eux. Je me doute que si quelqu'un décide d'aller chez Vagos, il risque de se prendre une balle dans la tête avant qu'il ait le temps de faire son déménagement. Tout à fait, mais puis la ville est grande, et j'ai envie de vous dire, l'île est grande aussi. Il y a le nord aussi à peupler, hein. On oublie très souvent le nord de l'île. Et je vais essayer aussi de faire un projet pour que le nord de l'île soit un peu actif aussi. Permettez que je prenne votre numéro? Oui, tout à fait. Comme ça, dès que votre entreprise est ouverte, je n'hésiterai pas à vous contacter. Si, du moins, vous avez... Même quand j'aurai mon entreprise, il faudra un petit temps pour moi, pour le temps que je mette en ordre les papiers, etc. Pas de soucis. Pour que ce soit bien mis en place, pour que ça commence sur des bonnes... Je comprends. Vous en faites pas. Je suis actuellement dans la situation où, justement, je dois gérer toute la paperasse et tout ça du côté de Little Seoul. Donc, je comprends tout à fait votre situation. Parce que vous êtes... Vous êtes qui, monsieur? Jin Junwan, mais bon, appelez-moi J, ça sera plus simple. J. Lana Stone, c'est ça? C'est ça. Il est entrepreneur. Ah, d'accord. Et les deux autres collègues, 07 et 33, sont aussi à la place. Donc Lana Stone, 555, du coup? Oui, c'est ça. 22-22. Oh, je devais avoir le numéro le plus facile de toute l'île, je pense. Il y en a qui ont encore aussi des numéros faciles. Ah oui, il y en a qui... Bah, parfait, bon, au moins ça c'est bien enregistré. Ouais, bah, je pense que même pour donner mon numéro à quelqu'un, on peut s'en rappeler de tête. Je vous envoie un message du coup, histoire que vous ayez mon numéro. Super. Du coup, vous êtes entrepreneur, ça veut dire que vous voulez acheter des bâtiments pour les faire louer à d'autres personnes? Non, c'est plutôt pour mes gars, histoire qu'ils aient un endroit où loger sans qu'ils soient emmerdés par du voisinage, disons un peu trop curieux. D'accord. Oui, non, mais des projets de construction, etc. Des projets de. Comment ça s'appelle? De pas avoir des habitations à côté de sites culturels aussi, c'est important.
Il y a tout plein de projets à mettre en place et mettre les choses comme il faut. Hein. C'est surtout que c'est un quartier un minimum difficile aussi. Certains, j'ai déjà vu dans ce quartier-là des gars armés de couteaux ou de 9 mm qui n'hésitaient pas à les sortir s'il y avait des étrangers, entre guillemets. J'aime pas utiliser ce terme, mais bon. Dans le quartier. On va pas appeler un chien, hein. Vous dites qui est. Certes, mais actuellement ce sont nous les étrangers sur l'île. C'est pas pour rien qu'on est à Little Seoul. Et bah si, il y a un quartier Little Seoul qui est fait pour vous, c'est votre quartier, donc vous faites partie de l'île, vous n'êtes pas un étranger de l'île. Donc juste pour vous prévenir, au cas où si plus tard vous voulez prendre des notes ou autre, la supérette qu'il y a au niveau de Little Seoul, le Y que vous voyez en route, les pâtés de maison autour, c'est sous ma responsabilité. Alors, où vous m'avez dit? Alors, 81-33, 81-41, et ensuite vous descendez jusqu'à 81-37. Tout cette espèce de triangle là, c'est sous ma responsabilité. Attendez, vous m'avez dit 80. En face du Weasel News, vous avez 81-41. Alors attendez, parce que je suis pas très souvent là en ville. Vespucci Boulevard. Ok, attendez. Ok, je vois Weasel News. Ok, la voilà. Supérette. Okay. Donc 81-41, vous descendez jusqu'à 81-37 et vous remontez jusqu'à 81-33. Ben, tout ça, yep. Little Seoul, c'est sous ma responsabilité. Donc si à un moment des gens décident de vouloir s'installer là-bas, n'hésitez pas à passer un coup de fil, savoir s'ils ont au moins mon approbation. Tout à fait, mais je pense qu'avant de construire quoi que ce soit, alors déjà la construction, ce sera vraiment pas tout de suite. Alors excusez-moi, j'ai un appel. C'est vraiment chiant qu'on entend les appels des autres, à chaque fois je me fais avoir. Oui, Mérine. Bon, on verra bien quand est-ce que ce sera installé son affaire. Ça sera bien qu'on ait des appartements rapidement. Bah oui, hein, tu sais bien que je commence à bosser. Mais, quoi, mais du coup, c'est mis en place dans combien de temps les assurances auto débit Non, mais. J'ai pas de délai pour l'instant. Mais ça va être mis en place assez rapidement là pour. Enfin, j'aurai peut-être pas de bureau tout de suite, mais voilà, je suis en train de voir avec. Pour justement, si j'avais une agence, j'aurais pu vous louer des bureaux, mais j'ai pas d'agence. Voilà, <c'est ça. rire> en tenant rond. Du coup, ce que je voulais vous dire, monsieur, c'est que de toute façon, le projet de comment ça s'appelle, quand je vais avoir l'entreprise, j'aurai déjà des lieux bien définis, etc. Et je pense que même avant de faire de louer, etc., j'irai voir justement tous ces quartiers, on va dire, qui sont dangereux quand on est pas habitué à ces quartiers-là, on va dire ça comme ça. Qui sont revendiqués, vous pouvez clairement le dire. Oui, revendiqués, tout à fait. Pour faire une carte pour justement que ce soit clair et net et que les gens n'habitent pas dans des lieux où ils ne devraient pas être. Oui, c'est si on ouvre la carte et qu'on voit justement les quartiers difficiles directement, ça éviterait qu'il y ait des nouveaux arrivants qui traînent au mauvais endroit au mauvais moment, quoi. Tout ça, à c'est fait. Pas déconnant. Tout à fait, tout à fait. De toute façon, j'ai déjà mon site d'agence qui est ouvert. Faudrait que je fasse ça. Pas de soucis. Ok, ça fait déjà un peu de boulot. C'est bien. Bah, déjà, vous pouvez être sûr que dans les quartiers difficiles, vous allez avoir au moins un à deux apparts qui vont devoir être construits. Donc, oui, ça vous fait déjà bien. Un minimum de rentabilité. Mais bon. Tout à fait. C'est... Nous, on mettra l'argent de côté histoire que ce soit directement acheté dès que c'est possible. Alors, pour l'achat, oui, tout à fait. Alors déjà, bah, tout ce qui est achat, faut que je vois avec, comment ça s'appelle, le gouvernement. Oui, ça, après, on a voilà, le temps, hein. D'ici là, on aura le temps d'amasser un peu l'argent qu'il voilà, faut, quoi. Alors, j'ai envie de vous dire, l'agence, c'est pas... Je pense pas que dans une ou deux semaines, elle sera encore ouverte, hein. J'ai des doutes, hein. Ça, après, c'est pas garanti que vous ouvrez pas... Enfin, que vous ouvrez un temps, puis ensuite, vous trouvez un job annexe. Et ensuite, ah derrière, non, si oui, la population non, oui, augmente, vous réouvrez le bureau d'agence. Déjà j'ai déjà trouvé un boulot à côté, hein, vous inquiétez pas. Hein. Oui, voilà, c'est juste... ça sera périodique. Le boulot, ouais. Ça va, ça vient, faut pas s'y faire, ça... Oui, faut pas oui, paniquer. Vous inquiétez pas. Mais après, vous savez, dans le passé, j'ai déjà géré une agence immobilière, donc... sur ça... Ouais, donc vous êtes rodé. Oui. Oui, 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 oui. C'est moi, ils sont un peu beaucoup maintenant, c'était au meeting qu'il fallait être nombreux, là. J'avoue, ils viennent boire. Il y a eu quoi En fait, ils sont intéressés par l'alcool.
Ouais, c'est pour ça qu'il y a autant de SPD. Hein. Ouais, mais il y a pas de trompez pas. Hein. Ouais. Ah oui, d'accord, ça sort les tasers et tout ça. Oh, oh putain. Ah oui, mais carrément, ça a tasé quelqu'un. Ouais. C'est ah, moi ou ils. Les flics, ils font un peu de zèle ici ou pas? Ça avait l'air de faire un peu les cowboys là du coup. Ouais, ça a l'air de faire les cowboys. Et après, le commandant il me disait c'était genre carré. Hein. Ouais. J'espère qu'on n'aura pas à s'expliquer. Sinon, ça risque de dégénérer. Moi, on les voit et mieux on se portera. Ils sont super bons, leurs sushi. Ah bon? Et après, attends, il coûte combien aussi le sushi? J'en ai acheté. Quoi? Il coûte combien le sushi aussi? Bah, je sais pas. J'en ai mais vous êtes pas mort, espèce de connard! Sushi. Je suis à 100$ et 175$, un truc comme ça. Ah ouais, moi il m'a fait payer 160, tu t'es fait avoir, hein, mon vieux. Tiens! Je vais. Non. Bon, je reviens. Merci pour le follow, wesh moi, ça va ou quoi? Oui, d'accord, le pseudo un peu trop long. Mais je sais pas du tout si ça va pour GTA V. Mais après, tu regardes sur Steam, t'as les configs minimales de combien ça demande, et c'est exactement ce qu'il faut en fait. Bon, les gars, mon côté, je vais retourner à Little Seoul vite fait, voir si rien ne cloche là-bas. Okay, okay. Peut-être je repasserai. Putain, mais qu'est-ce qui branle là? C'est les balas qui foutent le bordel là? Je sais pas. Okay. Non, c'est délicieux. Bon, sur ce, moi je vous laisse. Bonne soirée à vous. Et bonne soirée à vous aussi, mademoiselle Sol. Ouais, sans problème, merci. Bonne soirée. Un peu de charisme. Bon, ouais, messieurs, je vous laisser profiter de la soirée. Y'a pas de soucis. T'es qui toi? Yo, t'es qui toi? Mais t'es... Oh, mais vas-y, eh! Eh, les gars, Voidy, il part en couille là, les gars. Faites un peu les foufous, non là, non? Les flics, ils ont l'air un peu en stress là. Bah, je sais pas, man. Je sais pas ce qui se passe, man. Je sais pas, je vois des tasers sortis, des gars qui montent sur des hélicos et tout ça, c'est un peu le bordel là, non? Ouais, c'est un peu le bordel, man. Mais bon, c'est ce qu'on aime. Certes, mais bon, dans des endroits comme ça, un peu de discipline, ça fait pas de mal, non? Qu'est-ce que... Ah non, ils ont pas ramené un second hélico. Ah non, c'est bon. Non, man. Bon, vas-y, je te laisse, man. Bon, allez, bonne soirée à vous. Vas-y, à toi aussi, man. Si, j'écoute. Je voulais te poser une question. Ah oui. Si je t'amène de l'argent demain soir, tu penses que tu auras assez pour combien? Je suis en train de voir avec les autres instances parce que normalement mon business aurait dû être en place depuis maintenant une heure. Bon, tu vois, ça commence un peu à me casser les couilles, je t'avoue. Et si tu veux, ça y est. Ça, on peut en discuter autrement. Il y a beaucoup de choses à te dire, mais je ne peux pas te parler là. Oui, je me doute, À voir, ça, tout dépend si le business est là ou pas. Okay, si après l'argent est présent, comme j'ai dit, il y aura certainement un délai parce que le pognon, ça ne sera pas du cul des vaches, quoi. Il faudra le temps que je fasse le tour des différentes supérettes qu'il y a dans Little Seoul, histoire de laver tout ça. Et dès que ça s'est fait, ensuite, je rapporterai l'argent. C'est. Ouais. Est-ce que c'est possible de te parler ailleurs ou pas? En privé, oui, bien sûr. Je passe à votre quartier ou à Little Seoul? Non, c'est pour ça que je voulais te dire. C'est ailleurs. Ah, d'accord, alors, très bien. Je rentre à Little Seoul et je vais sur l'intranet, c'est ça? Si, c'est ça. C'est juste 5 minutes parce qu'après je vais m'en aller, mais c'est... Pas de soucis. A tout de suite. A tout de suite. Voilà.
Tempête 22h30, désolé, c'est un peu tard, on repasse à 128 slots, on est là, on est full. Ah bah ça, hein, fallait s'y attendre. Hein. Ah putain. Si on invoque, ah, ok. Hop. Oui. Oui, donc c'est toi qui blanchis, c'est ça? C'est ça. Alors, c'est un bon serveur où les modos sont à l'écoute. Ah, où ça, tous passent ouais. bien, ils essaient de faire leur maximum. Mais souvent, c'est très très long. Vraiment. Ouais, bah je remarque. Bah, c'est le habituel. Ouais, 21h. Au final, c'est 23h. Mais non. C'est pas grave. C'est ça pour le coup, je m'en moque. Non, mais c'est que ça peut prendre. Faut que tu t'attendes même que ça prenne plusieurs jours. C'est possible ah, que ça d'accord. prenne plusieurs jours. Je sais pas, on, moi, on m'a dit ce soir 21h ça sera bon pour toi, donc écoute, je ferai un mot. Ça fait 3 jours qu'à 21h je suis censé avoir mon point illégal qui est up, qui peut me permettre de faire des braquages, qui peut me permettre de faire plein de choses. Ou dedans j'achète les cartes de flicage, j'achète des explosifs, j'achète des serflex pour pouvoir comment serrer les gens pour pouvoir les avant de les fouiller, tu vois. Ouais, je vois le genre. Ou dedans, c'est un truc où ça change tout le temps, ça change tous les jours, c'est pas la même chose. Et t'arrives au bon moment, t'arrives un lundi, c'est un prix certain, t'arrives le mardi, c'est la même chose, mais un peu plus cher, ou moins cher, tu vois. C'est un point qui est super cool. Et il fonctionne pas, et ça fait 3 jours qu'on me dit qu'il va être bon à 21h, tu vois, donc je préfère te prévenir. D'accord, pas de soucis. Je sais. Bon, de toute façon, il y a la tempête là, donc je vais devoir déco. Oh putain, le patine cette bagnole. Oh là là. Ouais. Moi aussi j'ai des causes pour ça, je voulais t'appeler aussi pour dire que ça allait plutôt être demain. Là on était oui, ça... au meeting alors du coup... Ça y'a pas de problème. Y'a pas de problème. Mais ouais, ce qu'il faut pas, il faut savoir être un petit peu patient. Oui ça y'a pas de problème, c'est juste qu'on m'a dit 21h, je prends au mot. Bah ouais. Ça fait 3 jours que c'est 21h. J'ai même dû ouvrir un ticket pour tous les jours leur poser la question. C'est bon? Non. C'est bon? Non. Apparemment ils avaient déjà le script et tout ça donc Ouais mais moi aussi parce qu'il existait. Mais c'est juste qu'en fait tu peux pas acheter, tu peux pas les utiliser. Par exemple là j'ai des serflex sur moi qui me servent à mettre comment on appelle ça déjà, à attacher les gens pour ensuite les fouiller, pour ensuite les manœuvrer comme les flics en fait. Attends deux secondes. Je vais me coucher pour la tempête, je reviens après. Nous aussi on y va. Voilà bah, tu vois oui. C'est des trucs où je les ai sur moi, mais en fait, ça marche pas. Je peux pas l'utiliser alors que je les ai, tu vois. C'est juste que c'est pas codé. Ils ont pris la ligne de code quelque part, mais ils l'ont pas codé. Par exemple, mon ticket, donc tu vois, je l'ai ouvert le 14, alors que ça faisait déjà 2-3 jours qu'il fonctionnait pas, mais il m'avait demandé d'ouvrir un ticket, donc je l'ai ouvert le 14, mon ticket, donc il y a déjà 2 jours. J'envoie des messages tous les jours, et genre, hier, on m'a dit, je lui dis pas de nouvelles, j'imagine que ça fonctionne pas, et il m'a dit ce soir, tu vois, c'était hier à 17h. Donc c'était hier ce soir. Aujourd'hui à 16h, il m'a dit qu'il était dessus. On verra bien. Ouais. De toute façon, ils sont des développeurs et tout ça. Il y a aussi le staff derrière. Donc je me fais pas de soucis, ça arrivera quoi qu'il arrive. Mais ça arrivera, mais c'est juste qu'il faut savoir être patient. C'est pour ça que je préfère te le dire comme ça, ouais. Tu vois. Bah, c'est juste que nous, en fait, que le blanchiment est pas activé, et nous, on fait rien, en fait. On va rien faire. Bah, on avait à peu près la même chose où, en fait, ils nous ont... On fait la cocaïne, nous, les Vagos. De toute façon, tu le sais, parce que oui, t'as parlé sait, avec mon numéro 2. Et ben, on a attendu quasi une semaine pour l'avoir, la cocaïne, tu vois. Alors que c'était censé être notre point de départ, notre point d'ancrage. Le point illégal, il est réparé. Ah. Allez, arrêtez de me casser les couilles. Attends, il y est là maintenant, là. Reboot de 22-30. Ouais, on a dû faire un reboot rapide. Le blanchiment aussi ou pas, du coup? Alors, votre blanchiment, non. Il arrivera demain, je pense. En gros, votre script est mis là, je vais pouvoir vous set job, vous allez pouvoir avoir accès à votre coffre et tout. Le point de blanchiment, il est dans votre script, vous le voyez, mais on ne vous l'a pas encore débloqué, on n'a pas le temps encore. Donc, l'objectif, c'est que demain, on s'occupe de ça pour vous et puis de l'achat de vos merdes, là, des bijoux. Des ouais, le recel, ouais. Ça peut attendre, c'est surtout le blanchiment, moi, que je veux. C'est... Ouais, tant qu'à faire, je pense qu'on va se poser sur les deux, je pense que demain, ça sera good. Moi, je suis tellement pressé du recel, mec. Quand tu m'as expliqué ça. Ah mais ça, je me doute qu'il va y avoir des détournements de grosses cargaisons et tout. Je laisse pas venir, mais comment t'as une maison hein.
Ah non, mais moi, c'est... mais je suis même. Moi, je suis allé voir les. Je suis allé voir attends, des gens. Attendez, les gars, vous êtes sur le serve encore ? Non, on a déco. Ok, alors attendez, je retourne juste voir les modos qui fassent une annonce parce que là, deux minutes avant, il y a encore 30 connectés. Je pense que les gens n'ont pas vu. Ouais, c'est. Non, ça va être d'enfer, hein, franchement. Ah, mais quand il va y avoir des grosses scènes. Hein. Je suis allé voir la ferme et je lui ai dit, écoute, il va y avoir bientôt un gros problème. Et moi, je peux te protéger. Et tu sais comment je peux te protéger ? Tu me files un petit peu de tes trucs, tu vas me le filer en quantité, et moi, je te protège et je leur dis, si t'attaques toi, c'est qu'ils m'attaquent moi. Et du coup, j'aurai pas besoin de faire du détournement, ils vont me filer des quantités suffisantes que je vais pouvoir aller tuer. Mais justement, c'est pour ça, ça permet tellement les magouilles avec les entreprises et tout ça, c'est génial. Pour ça que je voulais faire aussi le rentrer. Quand il m'a dit ça, j'ai commencé à magouiller. Il y a déjà des endroits qui sont protégés par d'autres groupes, mais c'est des groupes qui sont plus faibles que moi, donc ça se trouve, je vais quand même vouloir les attaquer, parce que de toute façon, au bout d'un moment, il va falloir que j'attaque les camions aussi. Les gitans, ils sont jamais là, ou c'est moi ? Non, ils sont jamais là. Et justement, en fait, ce sont les gitans qui protègent les, enfin, qui sont censés protéger les vignobles. Ils bossent ensemble. Mais normalement, l'endroit des gitans, normalement, c'est censé être les Lost. J'avoue que ça m'a fait très bizarre de voir Stab City occupé par des gitans, sachant qu'en plus, t'as déjà un camp de hippies en fait sur la map, à côté des éoliennes. Ouais, mais ils leur ont filé un endroit qui est quand même assez plutôt correct. Ah bah, Stab City, ça doit être un des meilleurs endroits pour la criminalité. T'as rien autour, tu vois tout à 10 km, le moindre mec qui arrive, tu le défonces. C'est vraiment un endroit, mais stratégique de ouf, je trouve, ce Stab City. Ouais, ils sont pas mal, ils sont pas... Après, ils sont loin de tout, parce que... Les ah oui, ils sont loin de tout, mais ça veut dire du coup que t'es tranquille. Y a personne qui viendra te faire chier dans ton business, personne qui va fouiller, en fait. Puisque t'es grillé à 10 km. Cette zone là-bas, ouais, c'est sûr, t'es tranquille. Pour ça. Mais bon, c'est... À voir. Mais ouais, le Rossel, je sentais que j'allais foutre la merde hein, en ouvrant ce genre de... Oui, mais si, c'est trop bien. Mais quand tu m'as dit ça, mais je me suis dit, mais vas-y, mais nique. Mais... Et je regardais, je me suis dit, bon, qui est-ce que je peux attaquer ? Qui est-ce que je peux aller proposer... À qui est-ce que je peux aller proposer mes services ? Alors, le tabac, ouais. Les orpailleurs. Ouais, bah je vole leur bijoux quasiment tous les jours, mais ouais. Enfin, je t'en reparle en rappel, mais ton numéro 2 en termes de prix et tout ça, j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'ils me disent ? C'est quoi cette marche de merde qui me fait tout ça au niveau des Superman, là ? J'ai pas trop pigé comment ils voulaient les vendre, mais bon. Parce qu'en fait, alors, là encore, ça va être... Lui, il voulait me les vendre, en fait, au taux minimum de ce que eux, enfin, de ce que nous, on peut gagner en le vendant, ce qui fait qu'on n'a pas de perte. Mais ça veut dire que la marge qu'on a, nous, elle est infime. C'est genre, si c'est juste pour gagner 100$ parce que j'ai vendu 10 pochons, ça sert à rien. En fait, non, alors, on va faire une... Je vais considérer que t'es un joueur qui a l'habitude et que du coup, je peux te dire plein d'informations que tu vas pas prendre en compte, ok ? Oui. C'est juste pour que tu saches. En gros, la cocaïne rapporte pas non plus des masses. C'est un serveur où faire de l'argent, c'est assez compliqué. Par exemple, un pochon de cocaïne, c'est entre 90... et 100$ à la vente, et tu mets un tour de cocaïne complet, donc que tu remplis tes poches, tu mets 25 minutes à peu près. Donc tu fais, derrière, tu fais les Superman, ce qu'il appelle, c'est 10 Superman, parce qu'en fait, ta cocaïne, tu fais le tour et tu la caches. Oui, on est d'accord, ça j'avais bien compris. Mais c'est pour moi le prix, justement. C'est là où, par exemple, tu vois, chez les Ballas, ils m'ont clairement dit, bah c'est 80 unités, point pour le moment, et s'il y a grosse quantité, on peut baisser. Là, au moins, c'est compréhensible. Et, et au passage, j'ai une marge un peu plus intéressante, quoi. Lui, en gros, il voulait te vendre les Superman. On peut faire des... des Superman, derrière, en fait, tu les éclates. Oui, ça te fait plusieurs pochons et tout ça, c'est compacté en fait. Voilà, c'est ça. Et en fait, un Superman te fait à la fin 60 grammes de cocaïne. Sauf que du coup, t'es obligé d'acheter des sachets pour les mettre dedans. C'est t'as ton Superman, t'as tes sachets, que tu prends 3$ à la... Vous ignorez pas depuis tout à l'heure. À la supérette. Je vous écoute. Hein, mais et tu l'éclates, ça fait un sachet de 10 grammes, et ensuite tu le rééclates, ça fait un sachet d'un gramme, et ça, tu le vends. Et c'est ce sachet-là qui, ensuite, à la vente, coûte entre 90 et 100. Et un Superman égale 60 sachets. Et nous, 60 sachets, vu que c'est à peu près 100 balles le sachet, tu te fais 6000 en sale, tu vois. Ouais. Et lui, je crois qu'il voulait te les vendre 3000 en propre, un truc comme ça.
Je sais plus, faut voir, faut voir. Bah, on en rediscutera, de toute façon, on se fera des tableaux Excel chiants de comptabilité et tout ça. Bah, de toute façon, moi, c'est ça, hein, c'est qu'après, on va regarder combien je peux, combien je peux faire. De toute façon, si tu me les prends en gros, moi, mon but, après, ça va être de faire du, je pense, 40-60, que toi, tu gagnes 40%, moi, 60%, parce que ton problème, ce sera la vente, et moi, mon problème, ce sera la création, tu vois. Je pense plutôt que ça partira comme ça. Ça, après la vente, enfin, on trouve des petites mains. Bah, le problème, c'est ça. C'est qu'on n'a pas, pas masse petites mains pour le moment sur le serveur. On en a eu beaucoup passé un moment. Sauf qu'à un moment, elles ont commencé à se faire recruter par d'autres. Donc, on a été obligé, nous, de recruter aussi des petites mains pour faire un... pour rester en nombre vagos parce qu'ils sont beaucoup de ballas. Donc, rester en nombre et pas se faire bouffer en nombre. Donc, on a été obligé de recruter des petites mains. Donc on n'a plus beaucoup de petites mains la plupart du temps. Je crois que tu pourras demander aussi aux ballas. C'est eux qui doivent vendre leur propre merde. Oui, bah ça après, généralement c'est comme ça que ça va se passer. Hein. C'est quand on a rien à faire et qu'on va pas faire de braquage et tout ça, nous on va vendre la dope. C'est... On va alterner un peu. Mais on verra. Et un conseil après, encore une fois, ça c'est fou, mais... essaye pas de prendre en Superman. En fait, non, quand ça, tu les prends, on verra les prix. Quand tu les prends comme ça, moi je vais te les vendre moins cher, mais c'est parce que derrière, tu dois t'en occuper de les foutre en sachet. Ça te dure 5 secondes, hein. Franchement, les mettre en sachet, ça, c'est hyper juste, rapide. C'est juste, tu prends, tu fais utiliser, j'imagine, ça défait tout, quoi. Ah non, même pas, ça défait un par un, mais comment ? Ça te fait 5 secondes par. Bah, je t'avoue que les Superman, je m'en bats un peu les steaks hein, de base. Hein. C'est juste parce que c'est plus compact, entre guillemets. Mais au final, si ça fait le même poids, ça sert à rien. Autant prendre directement un sachet. C'est que ça fait pas le même poids. Tu peux prendre soit 60 sachets, soit 10 Superman. Sauf que 10 Superman égale 60 sachets. Ouais, donc autant faire des livraisons en sachet et tout foutre dans un coffre et puis basta. Quoi. C'est ça. Et c'est que derrière, toi, si tu l'as en Superman, t'es obligé d'aller chercher tes sachets. Et t'es obligé d'avoir, je crois, nous, c'est 180, on avait calculé 180 sachets pour 10 Superman. Parce que du coup, tu fais 60. Et c'est tout le temps par 6 sachets. Enfin, je sais plus, mais on avait fait nos calculs. Bon. Je vais retourner en jeu, du coup, vu que ça a réouvert. Ouais, bah moi, je vais me coucher. Ramène, réutilise. Ah, d'accord, j'ai cru que c'était réutilisable, non. Ok. Bah écoute, bonne nuit à toi, hein. Si, bah moi je vais juste aller dire à mon numéro 2 que on a. Je sais pas comment tu peux faire ça. Écoute, dis-toi, alors ça c'est une info que je vais te dire HRP, mais on peut considérer que je te l'ai dit en RP, d'accord ? Les balles là sont le même système que nous par rapport au, à ça, l'éclatage. Voilà. Donc tu peux dire que les balles là t'ont expliqué et que toi du coup les Superman ne t'intéressent pas et que tu les prends en sachet. Voilà. Oui, mais ça, on verra ça. Parce que, ouais, parce que mon mais numéro 2, oui, je sais pas. Parce que moi, ça me casse les couilles, hein, cette histoire de Superman et tout ça. Quand il m'a expliqué, j'étais en mode, oh là, ça a l'air pète cool. Non, mais c'est qu'en fait, il va sûrement essayer de te contacter vu que je suis pas là. Et du coup, tu pourras dire qu'on s'est contacté, qu'on n'avait pas parlé de ça, mais que t'as parlé avec les ballasts, tout ça. Et moi, comme ça, je le contacte pas. Oui, parce que du coup, je vais pas le croiser. Donc, je préfère juste te dire ça comme ça. On pas considère que la fin, juste la fin a été RP. Voilà. Bon, allez, bonne soirée à toi, du coup. Allez, je vous bien, bah sûrement à demain. Ouais. Ciao. Bon, bah on y retourne. Mais oui, sinon ça va. On parlait là IRL pour l'instant parce que on parlait du système de mettre en place tout ça. Peut-être des projets à venir et tout ça. De toute façon, on va tout refaire en CNRP quoi qu'il arrive. Hein. Faut savoir différencier les deux et pas faire du méta. Bon, moi, vous voyez ce qu'on appelle les backstage, comme on dit. Pourquoi ça m'affiche un spectateur alors que j'en ai 4 ou 5 là ? Je sais pas. Je vais couper le son parce que sinon vous allez avoir la musique de ces morts là, du chargement. Parce que bon. Et je vais me chercher à boire.
Eh ben. J'ai pas à voir, j'ai déjà vu la moitié du de ma gamelle, mais bon. On peut en ira rechercher derrière. Voilà. Je vais remettre le son quand même parce que je sens que je vais lancer le jeu, évidemment, on va me dire oh non, t'as pas de jeu, t'as oublié de remettre, gnagnagna. Donc bon. Bum 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 bum. Du coup, on a quand même rencontré Stones, qui est celle qui fait les... Comment ça s'appelle ? Enfin, donc ça sera demain. Ça sera demain, du coup, le blanchiment. On va pouvoir commencer à gagner du pognon. C'est l'ancienne tenue, les gars. De retour en ville. Oui, je suis Alpheur. C'est Song que j'entends derrière complètement beurré. C'est sur la radio internet. Ah. Il a pété un câble. La petite notification en mode penser à la planète. Maintenant, grande question, qu'est-ce qu'on fait? Quoi? Ouais, j'ai eu peur. Nous, on va habiter là-dedans, dans ces quartiers-là. Là, t'auras tout ce qui est business qui se feront. Et ça, d'autres habitations, sans doute, où moi je me mettrais, c'est un peu plus luxueux. Comme si t'as un espèce de parking et tout ça. Là, c'est tous les magasins qu'on va utiliser pour le blanchiment. Ah putain, mais je suis un connard. On le disait. Business. Habitation. Boulot. Enfin, blanchiment. Et Russell. Allez, monsieur, descendez. Oh, pile poil 81, nice. Ah, oh, par contre, la bagnole, elle hurle, là. Du coup, vous êtes où, vous ?
Toujours. Il y a toujours des gens à la plage. Oui. Bon, je reviens à le. Là, je suis. Du coup, j'ai eu des nouvelles par rapport au cartel. Le business se mettra visiblement en place plutôt demain soir, au final. Ok. Moi, je suis Du coup, on va encore attendre demain soir. C'est ça, oui, mais apparemment, on aura aussi le recel. Donc, okay. Ça va. Ok, le recel avant ou. Les deux, on aura le blanchiment et le recel. Après, je pense qu'ils vont prioriser le blanchiment, mais le recel devra arriver aussi bientôt. D'accord. Ah. J'ai reçu un appel, non ? Ah, c'est lui qui a essayé de m'appeler là ? Ou c'est son goût ? Je sais pas, si c'est important, il rappellera. Bon, je vais pas y aller avec une voiture volée. Ouais, je crois que je sais que du coup Song va revenir dans je sais pas 5 minutes. Par contre, pour ce qui est de Yang, je sais pas. Ah, Yang, j'ai l'impression qu'on l'a perdu pour la soirée, non Ah. Du coup, on fait quoi ? Parce que là, il y a la soirée. Bah, stand by, prenez il votre arrive, temps, faites des rencontres, ce que vous voulez. Parce que là, de toute façon, la soirée bon. Est finie quoi. Enfin, non, il y a tous les goûts là, les vins, tout. Mais sinon, la conférence est finie et de toute façon, elle était pas super intéressante. Hein. Mais c'était pas super intéressant, c'est de la politique, c'est normal, c'est tout le temps chiant et c'est du bla 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 pour au ouais, final juste pas avoir grand chose parce que on parie combien que les trois quarts des trucs qu'ils ont dit ça va pas être appliqué. Oui, bah oui, c'est des belles paroles pour être élu et après ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ouais, voilà. Ouais. Bon. Y'a plus les flics sur place ? Comment ? Il reste plus que ça ? Ouais, je pense qu'ils arrivent les autres. Ah, avec ouais, y'a peut-être pas tout le monde qui est revenu de la tempête quoi. Surtout la Speedy qui là. Ouais, là. Oui, il manque du monde. Ceux-là, ça a l'air d'être des sacrés cow-boys. Ouais, ils tasent tout de suite et tout. Ouais, je sais pas. Putain, mais. Au moins, ils sont respectés. C'est ton téléphone qui sonne ou c'est le mien téléphone ben, mon téléphone, on nous dit qu'il sonnait et en fait, il sonnait pas. Ouais, parce alors, que moi, j'ai eu la même tout à l'heure. Hein. Je sais pas. J'ai l'impression que personne c'est. Personne autour de moi en fait. Il y avait vraiment personne. Après, c'est peut-être. Ouais, c'est peut-être. Ça se peut, enfin bon. Voilà. Vous allez dire quoi, la police ou un peu après, du monde qui a. La police, c'est pas la police. Donc. La... Ça s'est un peu vidé là, non ? C'est pas fort raté. Le problème, Max Lalimas ? C'est une blague, Arthur. Une blague, Arthur. Vas-y, j'ai pas sort comment... la nappe fâchée, on la connaît tous. Hein. Ah ouais, non, parce que. J'ai une blague. Vas-y.
Par contre, il y a vraiment les premiers degrés, c'était avec toi. Je comprends que ça n'a pas fonctionné. Il y a un peu un rire de méchant de dessin animé, mine de rien. C'est parce que c'est une méchante de dessin animé. Un peu, ouais. Ah, ok, super. Moi aussi, je m'en vais. Hein. Ah, là, c'est Belzébuth. Bon, moi, je vais aller voir s'il y a moyen de voir un coup. Ah, super. Ah, super. Ah, super. Oh, t'es bloqué. Un coup, vous pouvez vous rendre au Unicorn. Je pense Oh là là. Allez, ça, ça arrive en fond. Il va y avoir plus de membres de police pour de civils qui sont sur place, quoi. C'est... Pourquoi l'info tu nous en veux pas 45. Non, parce qu'après, tu vas voler ma moto. Pourquoi tous les flics qui se ramènent comme qui... C'est comme Myril qui me pique mes vêtements. Bah, parce qu'on a plus de véhicule. Après, la tempête est passée, donc je sais pas si les gens vont revenir ici. Il cherche la merde, le monsieur, là. Je sais pas c'est qui. Je sais pas qui vous êtes, mais vous, je vous aime pas, en fait. De quoi? Qui ça? Parle un peu fort, la dame. Bah, alors vous? Vous, bah, elle est pas contente, donc c'est normal qu'elle gueule. Allez. Et c'est, s'il y en a une que j'ai pas envie de faire chier, c'est bien celle-là qui va donner les appartements. Oui. Il s'appelle comment le monsieur là? Oh bon, il y a professionnel et vie privée. Hein. Je pense pas que. D'accord. Ah, vous pouvez faire un selfie? Vous filmez la scène? Non, mais c'est juste que j'ai un peu Twitter et. Non, c'est Mary Jones en fait. Alors, vous êtes sûr que c'est vous? Vous savez la musique? Non, c'est vrai. Non, c'est... J'espère que c'est libre de droit, sinon je vais avoir des problèmes. Moi. Oui, j'ai vu. Normalement, c'est libre de droit. Hein. Mais après, c'était de la musique vraiment de merde. De la police, quand même. Bon, ça a les goûts et les couleurs. Qui sommes-nous pour juger? C'est vrai. Bon, Sung va arriver. Oui, pourquoi il y a autant de flics? Ouais, c'est la question que je me pose aussi. Du monde. Il y a du monde. Ouais, il y a du monde, 70% de flics. Je peux te parler vite fait en privé? Oui, bien sûr. C'était juste vite fait pour savoir, t'as pas eu ton arme alors? Non, pas encore. Ça arrivera demain. Ça sera demain, soir, c'est ça? Okay. Ça arrivera demain et à partir de demain, les choses deviendront intéressantes. Okay, surtout que j'ai l'impression qu'il y a souvent un gars qui laisse une moto devant la supérette, donc... Ouais, après, on peut faire des petits plans, hein, franchement... Ouais, justement, pour ça, c'est pour ça que je disais... Non, mais pour ça que je posais la question tout à l'heure, sur le BCSO. Oui. Faut clairement profiter que le BCSO soit dans les choux, que nous, on puisse... Voilà, quoi, soit qu'on achète une mentale, soit... En fait, ce qu'on va faire, nous, de notre côté, je sais pas si tu vois la route 68... La supérette à laquelle on s'est arrêté avant d'aller chez les chez les gitans. En fait t'as deux supérettes, tu vois ici. Ouais. Si tu mets un point à un gars à Bolingbrook, du côté du pénitencier là, un peu en sur hauteur, genre Grande Señora déserte, t'as des montagnes. Ouais, je vois. Ok. Et t'en fous un ensuite à Harmony. La côte. Ouais voilà. Même, et t'en fous un Harmony. Et du coup, les deux choufs vérifient que les flics ne peuvent pas arriver. Enfin, ils peuvent arriver que par là en fait. Oui, donc on en fait deux en même temps. On prend le pognon et on se tire. Allez. Ok, ouais, ça peut être pas mal. Après, va falloir qu'on prenne. Tu te rends compte quand même qu'on est en train de discuter de business alors que ils sont tous à côté. moi je suis chouette, hein, je sais pas pourquoi. Mais ouais, on verra ça après. Faut bien qu'on s'organise, parce que là, on n'a pas parlé de grand-chose pour l'instant. On se met en place, mais quand on aura le blanchiment, l'action commencera. Quand on sera bien placé et tout. Demain, quoi, demain soir. Dès demain soir, on commencera les choses sérieuses. Ouais. Parce que je t'avoue que ça me démange, là. Ouais, là, c'est... J'ai pas le permis moto. Ah, je crois que tu parlais de la voiture. Non, la voiture, oui, non, je l'ai, heureusement, on manquerait plus que ça. Oh putain, c'est pas ça que je voulais. C'est dommage. Mais non, oh putain, mais c'est pas possible. Si, monsieur J. J'écoute. Oui. Si, c'est Tango. Les numéro 2 des Bagos. Tango, c'était pas. Oh putain, c'était pas un autre prénom. Non, Tango. Tango, d'accord, ok. Si, il y a. Comment. Tango, c'est un peu un pseudonyme, il m'appelle Juan, mais il y a plein de fois qu'on m'appelle Tango. Voilà, c'était Juan, c'est ça. Ben écoutez, si, je vais enregistrer ça à Tango du coup. Si. Vous êtes où? Toujours du côté de la plage, là, il y avait l'événement, mais bon, il y a plus de policiers que de civils maintenant, donc on va se casser. Ah, ok. On peut se voir, il faut qu'il vous parle. Bien sûr, Little Seoul ou chez vous?
comme vous voulez. Moi, il faut que j'aille réparer ma voiture avant. Bah, va pour Little Seoul alors, vu que c'est le plus proche. Eh bah, allez, je suis en route. On se retrouve là-bas. Eh bah, pas de soucis. À pelouse. Au revoir. Dobiche, dobiche. Les Vagos veulent nous voir. Ok, où? À Little Seoul, ils viennent chez nous. Oh, bah, parfait. Bon. Attends, je vais juste faire un nouveau contact vu que j'avais pas son numéro à lui. Alors. Je vais chercher une voiture. Ok. Actuellement, on est 1, 2, 3, 4, 5 avec moi, 6 bientôt. Doubiche, doubiche, oui, non, mais j'ai pas compris. Mais qu'est-ce qu'il a pris? C'est pas ça qu'il a pris quand même. Tu te payes pas un peu ma gueule par hasard? En vrai, joli, hein. T'avais pas plus discret? C'est un cercueil ambulant, ton truc, là. La vache. Par contre, ça accélère, hein. Mais t'es sûr que c'est pas à quelqu'un, ce véhicule? Putain. Enfin, bah, je veux dire, un gars qui était sur la plage, quoi. Bah, écoute, c'était ouvert, hein. Tant pis, hein, il avait qu'à le fermer avec les clés, hein. Ouais. Little Seoul, du coup, mais tu gardes le véhicule plus loin. Oui, bah oui, je vais pas traîner dans le quartier celui-là. Hein. Roule moins vite, avance, j'ai pas envie qu'on soit chopé, roule moins vite. Oui, j'entends les sirènes en plus. Où tu vas? T'es passé par Baldezan en fait pour aller à Séoul? Non, parce que en fait je savais pas exactement où c'était, en fait je viens de me rendre, donc j'ai fait un petit tour. Bon, c'est pas grave, c'est. Ah bah, sacré tour, ouais. T'es, je vais t'aider, je te mets le GPS parce que t'es un incompétent. Oh, mais c'est bon là. Je reconnais doucement, le temps, doucement. Et ouais, sirène à côté, là, oh. Ouais, stop, arrête-toi là. Carte-toi sur le côté. Descends du véhicule. Oui, enfin, j'allais pas rester dedans. Ah. Ça, c'est un gars qui est un peu bourrin. Donc ce que je pensais, moi, c'était potentiellement foutre les habitations là-dedans, en fait, dans ce quartier-là, ce pâté de maison. Ici, on fait tout ce qui est business, les rencontres, ouais, pour les faire, je sais pas si t'as vu, on a un petit couloir, en fait, qui est vraiment bien à l'abri. On peut faire les meetings vraiment, vraiment tranquille. Même en face, là-bas, il y a un parking et tout. En face, ouais, en fait, en face, c'est surtout quand tu regardes, c'est surtout tout ce qui est magasin qui nous aide au blanchiment. Mais quand tu regardes par là, justement, là où on a vu les flics, c'est vraiment planqué, en fait. Ouais, c'est bien caché, quoi, en gros. C'est si entre tu veux faire justement, tout, si tu veux faire des discussions un peu discrètes et tout ça, et qu'il n'y ait pas de photos, mais t'es tranquille, c'est un parking. Ouais, après, par contre, t'as un parking, mais. Attends, tu chuchas, donc je t'entends pas. Ah oui. Alors, en gros, moi, ce que j'ai comme idée, c'est si on vient à faire de la dope et qu'on trouve des petites mains. En fait, les gens viennent se garer là. Okay, je... Et ils viennent, ouais, ils viennent chercher la dope là. Ok, ok. Ouais, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Mais ça veut dire que quelqu'un doit toujours être un peu au. Aux aguets. Sinon, la personne, elle se met juste là. Sinon, ce qu'on fait, ouais, c'est quand on aura les bagnoles. Bah, simple, on gare une bagnole ici pour montrer qu'on est présent. Ouais, comme ça. Sans moi, le gars, il peut venir. Il sait. Après, par contre, pour des réunions, on se mettra pas là quand même, hein. Je pense pas, ou alors ici ça sera vraiment pour les coups de pression, si on doit planter un gars et tout ça, on l'emmènera ici. Ouais, voilà. Ou non, dans la... Tiens, il m'a dit qu'il voulait voir la salle de... Il avait hâte de voir la salle Ah, tu l'as mis au juge. Des frères, oui, oui. Alors attends. C'est qui celui-là? Éponger un peu de tes dettes.
rossignol dans cette administration. La présidente là pour ouais. Quoi on vient de revenir normalement ah bon, je vais envoyer un message. Il y a eu une tempête. ouais mais c'est mais... voilà il y a Song bah, et attends vous voyez les deux là dans la voiture oui bah eux j'étais là et eux ils sont arrivés ils ont fait bon excuse-moi mais ici c'est ma place de parking donc bouge un peu quoi. Lui non ouais, les qui voit qu'un rush non les deux qui sont ah c'est en sur ah ouais, c'est ouais, un peu du genre ah oui, laissez-moi passer quoi, enfin il y a un peu de voir les kings qui sont. Ouais c'est ça. Okay. Ah. Donc en gros il est en train de foutre le zbeu à des endroits où il faut pas quoi. Ouais après ils doivent pas savoir encore. Mais après c'est le mec en. Bah c'est à nous sensibiliser hein. En 4-4 tu vois. Mais au bout d'un moment faut ouvrir sa gueule hein. C'est. Vous avez pas un couteau ou trois mais gens. J'étais comment invisible, je venais d'arriver en ville. Ouais non, alors, je venais d'arriver Allons à munitions, je veux voir les prix des armes blanches. Ok. Je conduis ou vas-y. Celui-là qui a le permis, ça sera mieux. Bah j'ai pas permis de toute façon. Prends tiens. Oh bah allez-y un peu. C'est qui m'a mis alors qui... Une arme. Ah munition il est ouf. Putain il y en a pas ici. Mais si mais à côté il y en a juste de l'autre côté je pense. De l'autre côté? Non il est au sud de la ville vers les docks. Ouais. Ah oui braquage magasin mais je confonds que le braquage de magasin. Tu sais où ils ont mis un magasin d'armes attends, à l'autre bout de la ville. Bien joué ça. Attends, on va quand même faire du le plein. 198 s'il vous plaît. On est déjà allé ici là sur le point. Faut qu'il y ait quelqu'un. Non mais là c'est la première et dernière fois que le gars il fait ce qu'il veut quoi. Dès qu'on aura le... Si dès demain j'ai le flingue, je jure que la prochaine fois qu'il y en a un qui fait ça, je le sors et je le pointe. Oui. Il va pas faire le malin très longtemps. Mais par contre le point qu'on a mis là, c'est quelqu'un qui c'est moi qui l'ai mis. Oui, et ben c'est quelqu'un qui le gère. Donc je crois qu'il faut envoyer un message. En gros. Quoi, ah oui, le magasin d'armes appartient à quelqu'un, donc il faut envoyer un message. Ouais. Faut envoyer d'accord, ok. Non mais ouais. on va aller sur place déjà. Bah occupez-vous de ça. Tu t'occupes de ça, Yik, ou tu... Je regarde, tu peux... Ok, parfait. Je regarde... Je regarde de police, mais ambulance, mais taxo, B, CSU, Unicorn, Todoroki, Vigneron, Wesel, Agent, Repailleur, non mais il y a pas. À moins que t'aies le numéro de la personne, moi j'ai pas. On va aller sur place. Et du coup, le meeting, qu'est-ce que ça a raconté? Bla 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 bla. Merde. Ouais, rien d'intéressant quoi. Si, on a juste foutu un petit peu le coup de pression, du genre, vous avez pensé au quartier difficile et... Elle est pas un peu du genre pour les patrons d'entreprise? Si, c'est clairement de droite, hein. C'est ça. Ok, bon. Mais bon, quand j'ai posé la question, visiblement, il y a tout le monde qui est resté un peu sur le cul et qui se disait « Ah, c'est une question intelligente, ça !» Elle avait l'air de bégayer, je pense, ouais, c'est ça. Ah, mais c'est le procureur qui a dû prendre le relais. Du coup, c'est il ou elle? C'est elle pour le gouverneur, enfin le poste de gouverneur et il pour le procureur. Ok. Et ça a l'air d'être le même délire de l'autre côté, mais il faudrait qu'on la rencontre, la patronne des EMS. Mais du coup, c'est qui l'autre femme pour le gouvernement? Ils sont deux, je crois. Non, t'as juste la gouvernante qui, elle, a les espèces de cheveux bleus bizarres et de gris là. Le gouvernement, il y a celle de la patronne de l'EMS et celle qu'on a vue là. Oui, mais c'est deux listes. Ouais, c'est ça. C'est qu'ils étaient deux pour chaque. Et non, c'est deux listes. T'as une liste avec la patronne des. Attends, je crois que l'autre con, il allait nous rentrer dedans. Là aussi, les citoyens, ils sont faux. Hein. Bah, tout à l'heure, ils tournaient carrément en rond, donc bon, ils ont fumé un peu de weed, les machins, je pense. Ils sont où les autres? Alors les flics, ils étaient tous là à la plage, mais alors maintenant il n'y a plus personne en ville. Hein, De toute façon, pour ce qu'ils font... Non mais c'est ça, en fait j'ai l'impression que si tu fais un braquage ou truc du genre dans un coin, ils vont tous venir comme des mouches, tu sais. Ah ouais, un peu d'occupation et ça les amuse. Voilà, donc à mon avis, le bon plan c'est de faire diversion.
Genre tu déclenches un truc quelque part et ensuite tu vas ailleurs. Oh, y'a peut-être quelqu'un. Ah bah le gars il est sur le toit. Il est en train de pisser. Quoi tu... Ah voilà. Capable hein. Franchement, tant mieux s'il y a quelqu'un. Hein. Chiii. J'ai le sniper et tout. Ouais mais là pour l'instant ce qui m'intéresse c'est plus couteau ou batte de baseball histoire de commencer à s'amuser un ouais, peu. Ouais ouais. Katana. Oh bon ça Katana on est là. Trois téléphones et une radio à terre. Ouais bon écoute, laisse. Il n'a pas l'air d'avoir grand chose. Non mais y'a personne je crois. Ça c'est chiant ça qu'il n'y ait pas beaucoup de... Faut peut-être envoyer un message sur internet. Bah essayez de prendre rendez-vous sur internet. Allez-y. C'est con qu'on puisse pas acheter nous-mêmes, enfin... Ah peut-être que c'est le cas mais uniquement quand il y en a... Il y a personne en ligne. Putain il m'a fait trop peur. Ah oui, il y avait quelqu'un depuis tout à l'heure, il est là. C'est vrai que la pointe est assez spéciale sur ce serveur. J'en sais rien du tout. Moi c'est juste que là je suis criminel, je conduis comme un sgeg parce que j'en ai envie. Vaut mieux attendre qu'il se réveille bien pour prendre les armes, non ? Ça va plus vite de prendre... Merde. Salut, on est animation. Ok. J'ai fait 4 tatouages. Hein. T'as graqué le budget ? 6000 dans les tatouages. Ça irait plus vite... 6000 oui. Bon, pour l'instant, c'est beaucoup, mais d'ici quelques jours, ça sera que dalle. C'est bon. C'est 2 heures de travail au chantier. Ouais, je vais pas m'abaisser à ça. On est à l'armurerie. T'es sur une autre radio ? Todoroki. Ah, faudra peut-être que... Sung est réveillé ou pas ? Je sais pas, il a parlé à la radio. C'était Sung ça ? Ouais, ouais. J'ai pas reconnu sa voix. Et ils sont où les deux autres ? Les deux autres ? Jay et... Non, c'est le Y, hein. C'est pas l'animation. C'est le quoi ? Y, ça s'appelle. Le Y ? Ça s'appelle le Y. De quoi, ici, là ? Oui. De quoi, le Y ? Ah ! Bonjour, monsieur. Le Y. Ah, bonjour. C'est... Attends, j'ai passé ici. C'est quoi cette connerie de Y ? Ouais, c'est le nom de l'entreprise. Ah, c'est le... le bordel, ça s'appelle Y, c'est ça ? A-E-Y, oui. Oh. Nous avons d'accord. Racheté les logos à Munition, c'est pour ça qu'il y a encore leur peinture. D'accord, ok, faut... Ouais, c'est... Oui. Faut... Putain, c'est pas intuitif, hein. Ah, voilà, c'est une connerie, du coup. C'était... Par curiosité, on voulait voir les différents prix des armes blanches. Vous êtes à la Munition ? Bien sûr, bah... Non, le Y, ça s'appelle, si mais vous oui. Vous voulez savoir, je viens juste à l'instant même de publier notre site qui regroupe justement tout ce que nous vendons. Ah, je vais faire du shopping. Parfait, ça. Sachez qu'en arme blanche, nous avons couteau, cran d'arrêt, batte de baseball. Ah là, vous m'avez parlé cran d'arrêt, là, ça... Ah, cran d'arrêt, vous attirez mon attention, là. Ça coûte combien ? Attendez, je vais voir ça. C'est sur le site. Alors, t'es où, Sang ? On est d'accord, les armes blanches, on n'est pas censé... enfin, c'est disponible sans le PPA. Si, le gouvernement m'a demandé qu'il faut que ce soit sous PPA. Ouais, bah, je t'appellerais Sang et c'était pas content. Et, sachez que et même le... pour la batte de baseball, j'avais mis pas besoin de PPA, mais on m'a dit que si je devais mettre... Mais c'est complètement, armes blanches, c'est complètement con. Pire. Oui, c'est pas de ma faute. Mais depuis quand on a besoin d'un PPA pour un couteau qu'on peut trouver dans n'importe quel supermarché ? Je veux couper un saucisson, moi. C'est pas de ma faute. Hein. C'est tout. Aïe. Et aucun moyen de détourner ça ? Ah bah là, non. Et le PPA, comment ça se passe ? Bah le PPA, vous passez un test psychologique à l'hôpital. Je sais pas combien il coûte. Puis une fois le test passé, vous venez ici. Ok. Vous nous informez, donc nous on aura une confirmation de la part de... vous ferez gaffe, en cours de livraison, c'est avec un S le cours. Oui, j'ai écrit ça. Et puis pour la suite, nous demanderons donc à SPD si vous avez un casier et que, si vous pouvez passer le PPE. Et si c'est bon, bah on vous fait passer le test pratique. Entendu. Bon, bah merci pour ces renseignements, nous on va y aller.
On va y aller, nous. Merci pour les informations. Y'a pas de problème, messieurs. On bouge. Tu as envoyé un message pour le PPA. Sympa les couilles du PPA. Ouais, je suis blanc, mais bon. Faut voir ce qu'ils vont dire. Allez, on va peut-être attendre les autres, ils avaient dit qu'ils allaient nous rejoindre. Va à Little Seoul. Y'a les Balas qui veulent nous voir. Les Vagos qui veulent nous voir. Ah tiens, il avait longtemps. Qu'est-ce qu'il se passe ? Cher, hein, pour un grand dernier. Combien ? Si, excusez-moi, il y a eu un problème, il y a eu une bijouterie 8000... en cours, je me suis fait crever les pneus parce que ces cons de flics sont pas capables de poser des panneaux à côté des Hertz. Ah putain, c'est pas vrai. C'est pas mal. Si, c'est... du coup, il y a quelqu'un qui me dépose à Little Seoul. Ce qu'on peut faire, c'est d'accord, entendu. Demander aux Vagos. Non, mais c'est pas pour ça, c'est juste une question de curiosité. Parce que là, je viens de voir qu'il y a cette connerie de gouvernement qui disent que les armes blanches maintenant font un PPA. Qu'est-ce que ces conneries ? Vous êtes capable d'en fournir ou pas, vous ? Non, on aimerait bien, mais non, on peut pas. Putain, même les couteaux et tout ça, y'a personne en ville qui est capable de faire ça ? Non, pour le moment, on sait pas. Y a ce qu'il faut voir avec les gars des Ammunition. Et ils croient que les battes de baseball, si on dit que c'est pour le sport national, ça passe. Ouais, enfin, moi c'était plutôt Crandari qui m'intéressait, si vous voyez ce que je veux dire. Bah, si, moi y en avait un et il me le suis fait prendre. Il va peut-être falloir voir avec les autres instances parce que ça c'est complètement débile comme décision. Si, je suis complètement d'accord, on est tous d'accord. Du coup, il faut faire remonter ça. Oh putain. Mais tu sais pas conduire, putain. Ouais, excuse-moi. Vous avez le permis, mais. Il est sur la supérette. Peut-être qu'il est passé devant moi. Merci beaucoup, tu peux y aller. A bientôt, salut. On arrive, on est sur la. À côté du Wizard News là. Pas des soucis. J'ai peur du flash, mais j'étais. On est au Pôle emploi plutôt. Non mais c'est juste qu'on est à côté du Weather News pour dire qu'on arrive quoi, c'est bon, c'est dans même pas 30 secondes qu'il y est. Du coup ouais, parce qu'en vrai, par contre, ça pourrait être pas mal si on si, juste, si ça change pas la décision de l'État, on pourrait faire là, le la bande d'armes là devient complètement intéressante. Avoir le PPA. Mais jamais on nous donne le PPA, on s'est déjà revendiqué, jamais on nous donne le PPA, faut pas être con. Ouais, on sait jamais hein. On sait jamais. Non, c'est... Tu vois clairement le connaissent pas, hein. Ah, tu t'imagines, 8000 euros. Non, mais non mais c'est surtout, tu vois clairement les policiers qui disent « Ah, mais oui, on va vous donner le PPA, vous êtes une mafia coréenne, mais on va quand même vous le donner, vous inquiétez pas. » Mais non, mais ça, il faut le faire remonter. Ça, c'est pas possible. Acheter un couteau, comment il est fait pour le couper mon saucisson, moi ? Ah, si, on est d'accord. Ah, mais on est d'accord, on est complètement d'accord. Il y a un gars qui boite, qui rentre dans le magasin. Ah ouais. Bon, ça, tout le monde peut venir acheter et repartir, c'est pas un souci. C'est juste que ça me surprend qu'il boite, surtout. Et c'est qu'on peut aller dans un endroit un peu plus calme, vous le parlez ? Il y a un couloir juste derrière, là, qui est tout à fait tranquille à l'abri de tous. Perrault, vous avez confirmation que vous pouvez commencer à travailler ou pas ? Je suppose que non. Alors, on m'a dit que ce serait au final demain soir. Si, il me doutait. Moi, quand on me dit une heure dans cette ville, souvent c'est le lendemain. Ça serait finalement demain soir, mais... On m'a parlé qu'il y aurait aussi le recel du coup. Ah si, c'est bien. J'espère que ça va tenir. Moi, Péro, si jamais on est à la supérette de notre quartier. Comment c'est dit ? Il faut qu'il y ait voir un truc après qui pourrait peut-être vous intéresser. Je verrai ça. Il faut d'abord qu'il vérifie que pour moi c'est possible et après je vous en parlerai. Là. Voilà, parfait. Ici on est à l'abri, il y aura personne qui va mettre le regard dans le coin. Je voulais vous parler de ce qu'on vend, la cocaïne, et vous reparler des prix, parce que j'y ai réfléchi et je me suis dit ce qu'il proposait c'est complètement débile, surtout que notre situation a bien évolué. Bah, je vous avoue que moi ce qui m'intéresse c'est pas vraiment les Superman, c'est plus acheter carrément au pochon. Après, c'est comme vous voulez. Si je comprends bien, ça revient quasiment au même, parce qu'on se retrouve avec le même poids, et au final nous ça nous fait juste perdre du temps de sortir les pochons du Superman. Si. C'est vrai. Après, si vous voulez des pochons, ça, il n'y a pas de soucis. Perrault, si vous achetez en gros, on vous propose de vous les vendre 50% du prix. C'est-à-dire 50% du prix. C'est-à-dire que 10 pochons, c'est à peu près 1000. On te les vend, on te vend les 10 pochons à 500. Donc, vous faites à 50 le pochon, en fait. C'est ça. Ah, c'est carrément intéressant, oui. Si. Il est parlé avec le réfé, il est d'accord.
À 50%, oui, je suis... Là, vous... Oui, oui, je me doute bien que c'est impropre. Mais ça reste quand même une sacrée affaire. C'est parce que on a reparlé au cartel. Et... comment ? Et on s'est rendu compte qu'au final, on doit moins d'argent au cartel par rapport à ce qu'on vend. On vend beaucoup trop, enfin beaucoup plus, et on leur doit moins d'argent, du coup on peut se permettre de faire des prix comme ça. Parce que le cartel revendique combien à peu près par mois en fait ? Ça Alors c'est pas par mois, c'est par la semaine. D'accord. Ça dépend. Ça dépend, moi je sais pas pour les autres, je sais que pour nous c'est encore en discussion. Mais je sais pas si je peux vous donner l'info, je pense que... Non, ça, gardez l'info pour vous, je verrai avec eux directement. Parce qu'ils veulent que vous nous dites quoi, mais c'est tout, ou quoi, c'est énorme, alors que... Comment... Non, mais le business n'est pas installé, donc on n'a pas les chiffres sous les yeux, je peux pas dire c'est énorme ou c'est pas assez. Moi, le cartel, je dois le payer en propre. Oui, bah ça c'est logique. Voilà. Du coup, moi, je vous propose 50% du prix de base, c'est-à-dire que au lieu de 150, le pochon. Très bien. Banco. Péro, là, il y en a un peu. Je pense que vous avez pas beaucoup. Vous venez d'arriver en ville ? Ouais, surtout, il y en a qui ont craqué le budget au niveau des tatouages et tout ça. Donc, de façon. Il me sent charitable. Non, pas de cadeau. Ça, c'est. C'était pour les gages des confiances. Ça, la confiance s'installera au fur et à mesure du temps. Je me fais absolument pas de soucis. Ouais, mais. Vous aider à vous installer. C'est... Je prends note. Ah mais ça c'est... Kanpei est très à cheval sur la vérité et le mensonge. On a un dicton chez nous qui dit « Tu ne mentiras point à ton sang. » Donc on préfère plutôt omettre des informations plutôt que de mentir. Si, ouais. Péro, moi vous me dites si vous voulez, là il peut vous donner tout de suite un petit bonus d'argent, sinon il peut aller chercher un peu de cocaïne gratuite pour vous essayer. On achète, mais potentiellement ça dépend des fonds qu'on Méga et moi-même, on peut cotiser, c'est pas un souci. Mais la charité généralement, ça veut dire aussi derrière, on vous a rendu service et c'est le genre de choses qui peut vite dégénérer. Pas chez nous, là c'est l'idée, c'est juste de faire confiance. Je vous fais confiance en vous donnant un peu. J'espère que vous me faites confiance de mon côté, c'est saoul tout ça. Là, c'est surtout que... Enfin, pour moi, je me fais pas de soucis. Visiblement, vous allez être... J'ai parlé avec votre FA, il était carrément pour la fidélisation et le fait que vous fassiez 100 000 par semaine. Donc nous, on passerait à 20%. Donc en soi, déjà, la fidélisation, elle est là. Il y avait des livres, les 100 000 par semaine, je pense même qu'on pourra te la porter plus. Ah bah ça je me fais pas de problème sur ça, oui, il m'a dit minimum là, donc... Si on compte réellement, on a peut-être blanchi, depuis le début, en sachant qu'on avait une perte de 30%, on a peut-être blanchi, je vais te dire une connerie, peut-être 200 000. Et on a encore 200 000, il y a 200 000 sur un livret A, il y a 100 000 sur un livret A en propre, et on a encore pas loin de 200 000 en salle à blanchir. Péro, nous on travaille bien, on travaille vite, on travaille beaucoup. Si les 200 000 sont directement apportés, je pense même qu'on peut directement passer au 20% en vrai. C'est à toi de nous dire quand est-ce que tu es capable de travailler. Péro le refait lui, il veut voir si tout est de confiance, donc il va pas te rapporter les 200 000. Oui, je me doute qu'il va pas apporter les 200 000 direct, mais pour le coup, du coup, si vous apportez. Si vous apportez petit à petit. Vous allez un peu y perdre entre guillemets parce que vous allez potentiellement perdre plus d'argent aussi si vous faites petit par petit. Moi tout c'est quoi, je te fais confiance. Après c'est pas moi qui prends les décisions. Oui, oui ça je me doute. Je pense que demain, si vraiment tout me dit c'est bon, je te rapporterai 20 000. Pas de soucis, pas de problème. On restera sur le 25% et si on voit que sur la semaine ou même la semaine d'après ça se passe bien, on passe directement au 20%, y'a pas de soucis. Si je peux vous donner un conseil dans la ville. N'hésitez pas à ouvrir une livret A et à mettre de l'argent dessus. Toutes les semaines, vous gagnez 10% d'intérêt. Et c'est accessible à tout le monde et c'est gratuit. Quand on aura les fonds, on se le permettra. Mais bon, pour l'instant, c'est pas avec les maigres. Non, il essaie, mais Péro, si vous mettez ne serait-ce que 10 000, ça vous fait 1000 par semaine. Si vous ah oui, ça... 1000, ça vous fait 10 000 par semaine. C'est pas mal. Si on laisse tous. Je prends note. Je prends note. Mais putain, qu'est-ce que vous foutez à... Mais qu'est-ce que vous foutez à moitié à Walpé où vous allez faire Mortal Kombat ou quoi? C'est les tatouages. Je me suis battu. Les nouveaux tatouages. J'ai battu contre l'oublié. Quand je parlais de budget tatouage... vous voulez lancer une fight club?
Ça sert à 6000. Non. C'est pas Pour l'instant, non, mais j'avoue que j'avais déjà l'idée d'organiser ce genre de choses. Ah, si, moi, ouais, mais ça va pas tout de suite. Je vous avoue que moi aussi. C'est pour ça. Ah, ouais, en tout c'est stylé. Hein. Vas-y, habite-toi. Ah, bah, si. On vient tous avec des masques, comme ça on se reconnaît pas et on se tabasse sur la gueule. Et le gagnant, on va prendre une somme. Moi, ce qui m'intéresserait de faire ce genre de choses, c'est actuellement, j'ai déjà. Enfin, j'ai une fille qui est en ville aussi. Et j'essaye de la caser aux EMS. Vous voyez où je veux en venir? Alors moi, il n'y a pas beaucoup de contacts aux EMS. Hero, il sait qu'il recherche. Bah, actuellement, elle avait envie de surtout travailler au restaurant là où on s'est rencontrés. Mm-hmm. Elle a envie de bosser un peu là-bas. Bon, c'est son choix pour l'instant, je le tolère, mais bon. C'est ça. Mais au bout d'un moment, je pense que je la redirigerai vers les EMS. Surtout qu'elle a déjà été volontaire dans ce genre de choses. Mais pour revenir sur les armes blanches, par contre, c'est... Complètement. Ah, je suis complètement d'accord. Héros, je pense que si on est assez nombreux à le remonter au gouvernement, ils changeront ça. Je vais vous montrer ce que je voulais faire comme chapeau. Mais on s'en bat les couilles du chapeau. Quoi, vous m'avez entendu d'ici là? Oui. Bon, c'est pas grave. Parle un peu fort. Hein. Putain, ouais. Donc ouais, donc ça on verra. Pareil, évidemment, les fameuses courses illégales, on n'y manquera pas. Hein, c'est... Mais avec... Pas vous montrer ma voiture, ici, des sous. Ah, mais j'ai d'autres petites idées. Notamment, peut-être pas forcément faire des courses avec nos véhicules, si vous voyez ce que je veux dire. Ah si, si vous voulez. C'est une sorte de petit défi, et évidemment, la police pourrait être en rendez-vous, quoi. Nous on a un jeu qui est marrant, c'est ramène la voiture la plus belle. Ah, ça c'est sympa ça. On appelle ça faire les cadeaux chez nous. Si, le jeu c'est on part tous du barrio et on doit ramener la voiture la plus belle et celui qui la ramène il a gagné. Ouais, ça je me doute. On a fait aussi un jeu, c'est va chercher. En gros, c'est un peu un test qu'on fait pour les nouveaux. On leur dit va nous chercher un truc qui peut nous plaire et il revient soit avec une voiture de police, soit avec un camion des EMS, soit avec une voiture de police. C'est la classique ça. Si, c'est rigolo. Ah bon, oui, c'est. On a changé un peu les tests, on est sur un truc plus psychologique et un peu plus vénère. Ah, ça serait plutôt du genre exactement faire le même genre de test que vous dites en disant voilà, je veux une voiture de police, le premier qui me la ramène a gagné, l'autre se prend par exemple une balle ou un truc du genre. Histoire de foutre un petit peu la pression. Il faut le faire attention avec les voitures de police, elles sont toujours fermées à clé. Même si on peut péter les vitres, il n'y a pas les clés sur les contacts et les fils ne sont pas chantables. Vous voyez ce que je veux dire? Les voitures de police, il faut forcément que ce soit un officier qui vous dise, enfin qu'il est vous que vous les prenez. C'est pareil pour tous les véhicules de service dans la ville. Ah, c'est gênant ça. Bah oui, on les pète les clés. Bordel, qui c'est qui m'appelle? Excusez-moi. Si. Dites, je voulais vous dire, chef. Pendant que vous étiez au téléphone avec le quand il y avait les balos, j'ai parlé un peu avec eux. Eux, ils comptent vendre pour 4 80. Grammes. Ah, bah, 80 le sachet. Bah ça, vous savez. 80 le sachet. Mais non, on va rester chez les Vagos pour l'instant. Et si les Vagos sont pas capables de fournir, on ira voir les balos en temps voulu, mais... Bah, si vous par savez, contre, bah, on ne parle pas des prix des opposants aux différents gangs, par contre. Ah non, mais c'est pour ça que je voulais attendre que vous ayez fini pour vous le dire. Si vous le savez, je sais que j'étais là. Non, mais comme vous étiez au téléphone, je savais pas si... Ah voilà, j'avais juste ça à vous dire. Non, mais on va acheter ces jeux, c'est un prix excellent qu'ils nous font, là. Ouais, ils m'ont dit que c'était à la tête du client aussi, donc... Pas vous faire compagnie, mais il y a un souci, apparemment il y a tous les hélicos qui tournent autour de chez moi. Et pas de souci. Bah allez-y et dégagez ça. Hein. Et c'est quelqu'un de vous peut me déposer? Soon, tu peux l'emmener. Il y a pas de voiture. Bah, ça c'est pas un problème, on peut les trouver. Suivez Soon, il va vous emmener. Je vais avec lui. Qu'est-ce qu'il fout? Ouais, bon. Bientôt j'en aurai un vrai, mais bon, moi je suis plus arme blanche. C'est plus ma signature. Attention, hélico au-dessus des quartiers. Ah bah c'est bien, ça prévient maintenant. Ouais. Garde, 2-4-4 ans. Vas-y, je viens avec toi.
Le jour où j'ai un 9 mm, le putain d'hélico, je le shoot. Par contre, du coup, je me demandais, la station essence et le magasin, franchement, je pense que c'est mieux qu'on le revendique et qu'il n'y ait plus personne qui y aille. Parce que là, en fait, ça fait trop d'aller-retour. Bah, parce que là, je sais pas si t'as regardé, Contraire, ça montre qu'on n'est pas non plus des monstres qui ne tolèrent pas. Là où les vagos, quand tu rentres sur le territoire, ça sort les flingues directes et ça canarde. Nous, on est un peu plus soft. Ça fait un peu... Je trouve que c'est trop... La foire à la saucisse, je suis d'accord, mais le problème, c'est qu'on n'a pas... Si on avait les armes, on pourrait foutre les coups de pression, c'est pas un souci. Quand on aura les armes, ils arrêteront de faire les cons, c'est pas un souci. Tu l'auras parce que je crois que c'est assez cher et j'aurais qu'un flingue et je vais pas l'utiliser tout le temps quoi. Mais bon. Ouais, faudrait qu'on parle du coup de l'organisation quoi de tout. C'est pas un problème de toute façon, ça c'est il y a au niveau de au niveau des autorisations, il y aura juste le boss et ensuite il y aura vous en tant que membre, mais internement il y aura le bras droit, le chargé de communication, un comptable, Il y en a un de vous qui maîtrise Excel ou pas là? Non. C'est quoi Excel? Les gars, il y a un de vous qui maîtrise Excel ou pas? Il y a personne qui va répondre. Au pire, peut-être que Yon, elle voudrait faire peut-être la secrétaire. Non, je mets pas. Bah, c'est parce que c'est quel argent c'est. Hein. Mais j'en ai rien à foutre, je l'implique pas là-dedans. Puis j'ai pas envie de mettre ma comptabilité dans le nord. Qu'est-ce qu'ils font? Bah tiens. De toute façon, ils peuvent pas entendre ce qu'on dit, ça sert à rien qu'ils soient nous. Non, mais qu'ils continuent à faire les marioles, ça va leur faire bizarre quand on aura des 9 mm et qu'on va les shooter. C'est qui? C'est les keufs qu'ils ont? Ouais, c'est le LSPD. Ah, mais qu'ils fassent les marioles. Après il est pas resté longtemps, il est passé, il est reparti direct. Ouais. Mais c'est complètement con de faire ça. Attends, hop, j'ai juste chuchoté. Ouais, dis-nous. Pour le point, c'est bon, il est installé ou pas? Non, c'est demain. C'est demain soir. Ok. Ça sera demain au final. Et on aura potentiellement le recel en même temps. Je pense que le recel on foutra là-bas avec tous les magasins. Ok. Oh là là, c'était à droite. Tu es stylé ce 4x4 hein. Ouais. Gardez le 4x4 hein. On a dû se battre pour le choper. Ouais, tu vois, il est tout abîmé sur le côté. Vous êtes pas sur la radio là? Bah si. Quand je vous posais la question sur Excel, vous avez pas répondu. Oh, mais Excel, garez-vous. Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui maîtrise Excel? Ça va, mais je maîtrise pas. Ouais. Oh la porte. Oh, stop. Descends du véhicule. Descends de ce putain de véhicule. Il allait tout nous faire exploser là. Soong, descends. Oh, ça y est, on peut pas rigoler hein. Ah ouais, ça. Pas avec les explosions. On allait faire boum. Putain, mais c'est pas possible. J'en peux plus, j'en peux déjà plus, ils vont me péter. Vous avez une mutuelle santé pour moi, hein. Ouais, c'est putain. Il va falloir m'emmener à l'EMS, là. Ouais, mais il a la coupe. Je sais pas s'il voudra. Ouais, comme ça. Bon, bref. Fait réunion là en plein milieu du quartier. Bah c'est notre quartier, on s'en bat les couilles. Ok, mais je disais, on pourrait, je sais pas, trouver un endroit. Oh, venez. On se cache pas, on s'en bat les couilles, c'est notre quartier. Non, j'ai pas dit caché, j'ai dit genre, je sais pas, un endroit plus classe. Bon, deux secondes, je vais dans ma tête. Un vrai endroit quoi. Ok. Mais ouais, Excel c'est surtout pour la comptabilité, pour faire des rapides codes, des pages à la con pour dire les pourcentages, faire les calculs automatiquement, rajouter ça directement sur les clients et tout ça. Gars discret cherche petit boulot pour la soirée ou entretien pour un boulot à plus long terme. 555 62 80.
Ça y est, il arrive. Oh merde, je me cache. Ça me plaît pas du tout ce genre de tweet qui sont en mode 555-280, ouais. Cherche un petit avec travail. Avec le nom qui fait marquer tout en haut, nous sommes discrets, oui, bien oui. J'hésite à l'appeler pour lui dire que c'est pas très discret ce qu'il vient de faire. Non, non, après, il aura votre numéro, il va casser les couilles. Moi, j'ai mal. Hop, alors, elle a répondu quoi? Comment ça, elle a répondu quoi? Mais l'autre est déjà en train de pécho, ça fait non, mais lui, il a deux jours qu'on est là, il veut déjà pécho. Deux numéros, il a déjà. Après, elle pense que c'est professionnel. Non, j'aurais clairement remarqué en message. Et c'est ouais, laquelle, c'est du coup, que tu voulais mettre le dans le cul, les celle qu'on on a vue, là. Les deux, là. Et cheveux rouges. Celle en rouge et celle avec les cheveux rouges. Assurance, assurance et immobilier. Voilà, on peut les appeler comme ça. Donc, vous, c'est immobilier, donc c'est Lana que vous... Ouais. Alors, Lana, je sais pas qui c'est, Nana. Nana, je sais pas qui c'est. Lana, pas Nana. Quoi? T'as le numéro de celle-là qui va faire la... Il a l'autre derrière, il fait des... Attends. Regarde. Je suis désolé, si vous... Celle de Mademoiselle Jones, du coup, vous avez son numéro ou pas? Jones... Parce que... Non, j'en ai que deux. Report, eux, deux hélicos ont fusionné sur le toit du Comico. Il a... Bah, c'est Jones, là, les... le mutuel. On fait une forme géométrique. Vas-y. Comment t'as fait? Vous allez arrêter de faire les cons, oui? Comment t'as fait, hein? Out, 3. Quoi? J'ai rien compris ce que tu dis, putain. On va faire un message. Enlève-toi ou je vais me fâcher. Mais... Pareil pour toi, Sung, relève-toi. Discret, on va à l'EMS. Ah, vas-y, je t'empêche pas d'y aller. Ouais, mais j'attendais que tu payes la facture. Oh, c'est pas cool, boss. Moi, je suis là pour défendre nos intérêts et quand on nous insulte, et derrière, ok, je veux la récompense. Bon, par contre. Écoute, moi j'étais blessé tout à l'heure, j'ai payé ma facture comme un grand, merde. Non, mais t'as tu raison, me laisses encore deux jours et puis j'ai tous les numéros des filles de la ville. Menace que dalle. Viens, prends l'audit. Bon, du coup, t'as le numéro de celle qui fait les mutuelles ou pas? Ouais. Tu veux? Mais putain! J'en peux plus. Putain, mais mon dos débile, y'a une voiture qui est déjà volée à côté et vous prenez celle-là? Elle va plus vite! On s'en fout. On revient vite. Allez-y, dégagez, maintenant. J'en peux plus. On va mourir avec eux. Vas-y, tu peux le numéro? Comment elle s'appelle? Je m'en rappelle plus. J'ai pas mis le nom. Bon, ouais, c'est. Le souvenir, c'est Jones. C'est Alvarez, putain, oui. C'est son nom, je crois, Alvarez. Après, je sais pas, son prénom, elle a pas voulu le dire, je crois. Il me semble que c'est Alvarez Jones. Donc, 555. 2608. On sait jamais, ça peut toujours servir. Bah, c'est pour ça que j'ai pris les deux numéros et que j'ai cherché en même temps. Mais t'en as pas marre de foutre le bordel, là? Alors, il y en a, il adore foutre le bordel. Il y en a deux, ils adorent tout ce qui est sportif, voilà, quitte à... Non, mais au bout d'un moment, les gars, quand je vous dis de discipline, c'est discipline. Oh. J'ai pas envie qu'on nous pense comme les ballasses qui foutent le bordel alors qu'il y a les flics à côté, par exemple. Carré, les gars. C'est carré comme du... Carré. Je vais sortir une phrase, carré comme le nord de la Corée. Quoi? Regarde, toi. Carré. Tu me fatigues, tu sais. Mais non. T'as de la chance. Je vais te le demander qu'une fois. Je colle l'œil. Vas-y. Tu veux crever ou quoi? Non. Ouais, attendez, j'ai un truc. Arrête tes conneries. Attends. Efface-moi sur l'air de ta gueule là. Voilà. Ouais. Ah bah la Macronie. Ça me plaît ça. Oh putain. Bon. J'ai même pas besoin de mettre les claques, c'est bien. Non, pas de ça chez moi ça. Bon, et ben, je crois qu'on a plus rien à faire. Oh, il y a des Uber Eats, regardez. Putain, bah ouais, si tu regardes sur ton téléphone, t'as l'appli. Où?
C'est il va quand même. Oui, Perrit. Non, oui, j'ai pas vu. Oh, d'accord, carrément. Non, non, non. Recherche de livraison Uber activée. Merde. Comment on fait? Je sais pas. Ah, pour Voilà. Putain. Putain, tu vas voir, y'a quelqu'un qui va venir, il va dire c'est qui pour le pas. Oh non. Du coup, c'était Alvarez, c'est ça? Alvarez oui, Jones. Avec un Z. Oui, mais je me doute que c'est avec un Z, Alvarez. Non, parce qu'elle l'avait prononcé Alvarez. Pour ça, avec elle. Alvarez, entier. Alvarez. Oh putain. On roule le R. Bon, et ben, qu'est-ce qu'on a à faire là? Bah, rien du tout, vu qu'on n'a pas le business en place et on va pas s'amuser à aller braquer des banques à main nue. Enfin, bref, des boutons de super. C'est dommage. En plus, on peut même pas acheter d'armes blanches pour. Non, mais putain. Ça, c'est. C'est oh là là, connerie en barre ça. C'est pour arrêter l'illégalité, je pense déjà, pour la stopper un peu. Non, mais sérieusement, pour avoir une arme blanche, full PPA qui coûte 50 000 dollars. Imagine tu veux une batte de baseball, tout ça parce que ben t'es joueur de baseball et tout, t'es obligé d'avoir le PPA. Pareil bah pour, oui. Pour couper du saucisson. Franchement c'est con. J'ai regardé la meublée, j'ai fait mais c'est vraiment con ça. J'ai un couteau de cuisine chez moi, il faut le PPA alors. Sérieusement. Moi je cherche plus à comprendre cette ville, les flics font les cow-boys et tout ça, vraiment. Bon, après les flics, ça c'est quelque chose qu'on peut vite calmer, toi. Ouais, ah, vite calmer, vite. Tout dépend si on a les armes ou pas, quoi. Voilà, c'est ça le seul problème. Merde, j'ai oublié d'envoyer un message. Attends. Je vais juste me contenter de Alvarez parce que si ça se trouve, je me plante complètement dans son nom. Voilà. Ah oui, par contre. Les messages, je suis en train de regarder. Comme premier message, j'ai envoyé Yang. Après, j'ai envoyé « Vous avez de très beaux cheveux ». Tu vois ? Et Yang, il est tout en bas. Et très beaux cheveux, il est tout en haut. Comme ouais, non, il y a des SMS. Des fois, ça déconne. C'est très, très bizarre. Efface les messages et ça devrait redevenir la normale, je pense. Ouais, non, ça fait ça pour tout le monde. Rien du tout. Bref. Ouais. Non, je pense pas. Ouais. Parce que j'ai parlé. Jean était. Misère, si tu vois. Et on s'est parlé, donc pas normal. Non, ça doit être souci, c'est pas grave. D'accord. Ok, bon bah on vous attend de toute façon. Hein. Allez, tout de suite. Il peut pas parler à la radio tout simplement au lieu de téléphoner. Oh, non, il peut pas. Non, mais c'est moi qui ai téléphoné. Mais en fait, on s'entend pas radio. Ah bon ? Testera. Voilà. Ouais, non, c'est lui qui a un problème avec ses radios. Non, mais même. Guy. Bah, il a un problème aussi. Dealer de. Ouais, faudra qu'il réinitialise leurs oreilles. Non, non, c'est juste. La vie, des fois, qui doit avoir des problèmes, je pense. Mmh. Donc du coup... Les interférences sur la radio, ouais. Oh, voilà. Au revoir. Oh, c'est eux. Bon, à deux doigts de me toucher. Bah non, arrête de pleurer. Galaxy Club... Ça va beaucoup mieux. Mmh. En vrai, je pense que un kit de survie, c'est mieux que les EMS. Hein. Non, parce que tout dépend s'il y a des gens, des gars qui sont en service ou pas dans la ville.
Bon, on a envoyé un message, y'a personne qui a répondu, j'ai dû me mettre 2-3 bandages, hein. On verra, ça ma jambe va beaucoup. Oui, mais c'est utilisable uniquement justement quand y'a pas de médecin en ville. T'as une arme, fou ? Ouais, non, bien sûr, c'est, non, c'est pour faire joli. Rhabito, putain. J'ai réellement une arme. Allez, on y va. S'il y en a qui veulent venir, je vais voir si le Yellow Jack ou je sais pas quoi est ouvert là. Ouais. Oh. Vas-y, moi je vais attendre là. Ah, c'est pas se mettre bon, ensemble. Vas-y, ah je non, vais prendre putain, la sportive juste à côté. Comment? Attends, il faut une limousine. Attends, alors on divise les voitures, vas-y. Mais non, 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 on peut déjà faire un convoi de 3 véhicules. On va aller laisser les deux. Ouais, monte à l'avant, hein, monte à l'avant. Ouais, ça aime bien les jolies bagnoles. Ouais. Ah, j'ai peur de ce qu'ils on vont en faire. Faire un convoi de 3 véhicules. Ceinture. Un membre, c'est combien le maximum dans chez nous? On peut être 8. 8, c'est ça, ouais. On est combien? 6 Oui, actuellement on est 5, il y a le frère Fuji qui va arriver là. Tetsumaki, ouais, c'est ça. Ouais, voilà, il va arriver en fin de semaine. Ça fait 6, ouais. Je sens que Tetsumaki est en train de me maudire. Et il y en a 2 et il y en a 2 autres qui vont arriver apparemment encore. Ah bon? Ouais. Quel enfer. Hein. De l'autre ville. Le problème c'est que c'est. Bah, on sera 8, c'est bon? Ouais, mais c'est un peu des enfants, enfin, tu vois. Ah, mais. On verra ça. De toute façon, on va les tester hein, à partir de maintenant. Ça sera des vous, c'était les gars, vous, c'était les gars que je connaissais de base. Donc, s'ils veulent rentrer, il va falloir qu'ils fassent leur preuve. Hein. Par les Chinois, c'est Pepito et son frère qui veulent venir. Pepito Rodriguez et. Ouais, et son frère. Ah, mais ils sont sympas, eux. Bah, eux, Ouais, non, mais eux, c'est bon. Ah, ça va, je pensais que. Bah, ils font déjà partie des effectifs là. Oui, c'est bon, bah ça c'est bon. Ah, je savais pas, hein, je savais pas. Ouais, dans les 6, ils sont déjà là. Ah, bah ils m'ont dit qu'ils allaient seulement arriver. Normalement, ils sont. Oui, mais. Bah, y'en a un qui est déjà là, l'autre il est en vacances. Ah, t'as Tetsuya qui est normalement qui est là, et t'as Tokami qui reviendra dimanche. Ah, je sais pas, alors il. Après, t'as Jayong, c'est le mec derrière. T'as Yong. Ouais, ça c'est moi ça. Yikong, c'est oui, je sais. Y'a Jin Junhua. Ouais, ça c'est moi. Ouais, c'est Jin Hu. Oh là là, oh les mal de tête. Oh, on rebondit, on fait du lapin. Ah, oh non, moi j'ai rien. Ouais, j'ai cru qu'on était un cabri pendant ce temps. D'après les deux gogos derrière, ça balance un peu. Attends, j'ai le limitateur qui est activé ou quoi depuis tout à l'heure? Non, même pas. C'est juste que c'est la voiture qui est mou c'est du cul. La bagnole La bagnole est mou du cul en fait. Ah, c'est pas la meilleure des 4x4 qu'on ait. Ah, ça y est, il accélère. Ah, ça y est, ok, d'accord. Non, c'est juste qu'il était en montée, du coup, il était en mode au secours. Monsieur J ? Oui, Tango, j'écoute. Il a oublié de vous donner une info importante dans la ville. Sachez qu'à peu près tous les véhicules sont bridés pour ne pas dépasser le 200 km/h. Il y a que quelques exceptions qui vont à 220, 230, mais pas plus. Ouais. Ça, je me fais pas de soucis sur la vitesse de pointe de 200 km/h. Là, actuellement, pour vous dire, on est dans un vieux 4x4 à la con qui a même pas à peine du mal à dépasser le 130. Donc... Mais, non, mais voilà, ce qu'il veut dire, c'est que même la police. Même la police a cette limitation. C'est une info importante à savoir. C'est moi à savoir, ça en effet. Ah, si. Non, c'était pour savoir. C'est tout ce qu'il y avait pour vous. Oh, mais tu sais bien, bien c'est. De rien. Faites comme j'ai dit, faites pas comme je fais. Vas-y, il leur dirait. Pourquoi faites pas comme je fais? Qu'est-ce que c'est conneries encore? Non, ils vont arriver, ils ont un problème. Ils se sont plantés dans la route, donc ils vont arriver. Comme j'avais dit, on a laissé les deux ensemble et je savais qu'ils allaient se planter. Donc, du coup, ils m'ont téléphoné pour dire on de ralentir, mais on était bien loin. Bien sûr que si, on sait conduire, c'est juste qu'on prend rien, on voit pas l'autoroute. Qu'on allait les attendre là-bas. C'est à droite. Bon, on se rejoint là-bas. Ah, ouais, on aurait pu tourner à droite. On est à 1 km là, de toute façon. Oh, et on voit la route. Vous avez loupé la sortie. Ça. La sortie, je la crée. Exactement. Allez, contre ça, on sera en la faute. Bon. Donc, c'est pas la voiture de la flic. Oula. C'est moi ou elle a essayé de vous faire peur? Non, c'est juste qu'elle est complètement conne. Ça marche aussi. Là, on se fait toper, alors sens interdit, vol des véhicules. On part tous en courant dans une autre direction. On va tous venir taser dans la vie. En vrai, je pense que quand c'est comme ça, c'est divisé pour régner. Hein. Les jours où on se fait arrêter, c'est chacun pour soi. Hein.
Ah ouais, j'y pense. Si jamais la nous fait arrêter, tais-toi la tête. Vous êtes allé où, radio? Si jamais la nous fait arrêter, qu'est-ce qui se passe? Chacun sa merde ou... Tout dépend de la situation, mais au bout d'un moment, faut assumer, quoi. Ok. C'est pas grave, de toute façon, on va tellement gagner de thunes que les amendes, on va les payer, c'est pas un problème. Et ils nous ont dit de les attendre, ils sont arrivés avant nous, ils foutent de ma gueule ou quoi? Je sais pas si vous, à un moment, vous voyez plus rien du tout. Non, c'est bon, voilà. Bah non, moi je voyais plus rien. Mais vous m'avez dit d'attendre, vous êtes arrivé avant nous. C'est surtout que. Non. C'est un peu miteux, non? Là, il y a personne. Et le monsieur qui faisait ça, qui. Je crois que ça. Il s'appelle. Il a pas encore les clés. Il nous l'avait dit. Hein. Mais c'est pourri, c'est. C'est pourri, mais un endroit discret, c'est pas non plus dégueulasse. On voyait pas du tout la route. Mais. J'étais en mode, j'espère. Un donné pour un rendu. Oh, désolé. Comment ça, un donné pour un rendu? Eh bah, mettez-lui un taquet. Hein? Tu veux le battre? Stop. Ouais, d'accord. J'ai de gros mal de tête. Je vais mettre une quiche, ça va peut-être s'arranger. J'en ai eu sur l'autoroute, j'avais pas envie de tomber dans le vide. Oh, regardez. Aïe. On va où? Je sais pas, honnêtement, je pense que je vais juste aller me piéter. Ouais. On a fait ce qu'on avait à faire. Ce qui m'emmerde le plus, c'est que j'ai pas pu avoir le numéro de la pseudo future gouvernante. Ah. Si tu veux, il vous l'a pas donné, enfin elle vous l'a pas donné ou Non, pareil, je suis pas allé voir le potentiel futur procureur. Ça aurait été intéressant d'avoir leur numéro. Je m'en charge de la future gouvernante si tu veux. Ouais, Charo, ouais. C'est bon. Hein. C'est l'endroit qui me fait mal à la tête. Hein. Parce que je te dis, tous les endroits avec du bois. Je pense faudrait aller parce qu'on a un problème avec Song et sa tête à cet endroit donc. Elle va exploser. Bah, c'est juste à l'intérieur que ça me fait mal à la tête. Mais tu viens. Oh, putain. Et là sur le parking ça va, hein, mais c'est à l'intérieur. Bon, on va vite fait voir si Clodo ou je sais pas quoi sont là. Hein. Gitan. Clodo. Qui a dit Clodo? J'ai perdu. Non. Et... T'as cru que je t'ouvrais la porte ou quoi? Ouais, t'es mon chauffeur. A permis d'ailleurs ça. Pourquoi elle s'ouvre pas cette putain de porte? Non mais c'est bon, vas-y conduis du coup, hein, si tu veux, hein, mais bon si t'as des mal de crâne... Bah j'en ai eu là juste à l'intérieur, mais après... si vous voulez, hein... Bah vas-y, prends le volant. Je suis content d'avoir un Bovide entre les mains. J'ai bien, mais... Ils sont déjà partis les deux. Vous mettez le point, hein. Stop City. On roule un peu. Alors ce que je disais les gars au niveau des braquages, de nous comment on va faire, on va prioriser la 40-20 et la 40-24 qui sont sur la même route en fait un peu plus bas là. Ouais. Donc en fait nous ce qu'on va faire c'est mettre une chouffe au niveau de la 40-14. Il aura une bonne vision en fait sur la Signora Road et la route, le reste de la route 68. Il pourra avoir tout voir en fait du côté ouest. Et de l'autre on mettra quelqu'un en 30-46, 30-47 là. Ah oui, 40-20, putain, j'ai mis une heure. Comme ça, au moins, en fait, il voit l'arrivée du point D et du point E s'il y a des flics qui arrivent, et il voit également si ça arrive du nord. Donc, comme ça, on fait deux supérettes en même temps. Après, le problème, c'est que j'ai qu'une seule arme à feu. Ouais. Après, ça arrive pas du nord parce que le BCSO pour l'instant fermé. Comment vous avez eu l'arme? On ne le fournit. Mais c'est demain que je l'aurai. Ok. Gitan. Du coup, on a juste une arme de poing, on n'aura pas de quoi? On n'aura pas de couteau? Gitan, personne. Ouais, personne sur zone? Bon, ben on rentre chez nous, c'est bon, pas besoin de. Vas-y, je te mets le poing. Ouais, ils sont jamais là, c'est con, hein. Faudrait peut-être qu'on fasse ça en moto, non? Comme ça, si jamais ça galère sur les routes, C'est ce que je disais. Le gars qui va faire le braquage, il se met en moto. Il fout la moto devant le portillon et il attend que les choufs lui disent de dégager. Et tandis qu'aux autres, on s'en bat les couilles, on prend des bagnoles, on prend ce qu'on veut, on les fout dans un coin et on reste debout. Qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent, les gars? Ouais, vous êtes vous êtes debout au milieu de nulle part. Ouais, et d'ailleurs, petite chose à savoir. Fallait tourner là.
Non, moi je sais pas pourquoi je les suis. En mais dans la traverse, hein, c'est un 4x4. Écoute. Je disais, ouais, on s'était renseigné là avec. Putain, mais attends, ça a changé de route. On va passer par là. Ouais. On a eu un petit problème. Donc on est allé vers une ammunition. Et pour avoir un simple. Une ammunition. Petit problème, on est sous une armurerie. Ah, ok, les autres sont en route, ce sont en route 9-3-4. On est sous la route à 4-3. Bon, bah, salut Poudlard de notre part. Hein. Ok, c'est bon, j'ai réussi à m'extraire. Je suis dans un champ. Les deux, faut éviter de les mettre ensemble. Juste à côté du gars. Problème ensemble. Qu'est-ce que je veux dire? Et du coup, Serpentard. Une fois qu'on était dans cette ammunition, il y avait quelqu'un. Serpentard, Cryffondor, je sais pas chez qui je vais aller. Pour avoir un couteau, quoi. Qu'est-ce qu'ils font là? Le couteau, c'est plus bas. C'est du camping, c'est bon. Le couteau, c'est le plus bas prix, c'est 7000$. Mais pour avoir un couteau, il faut avoir passé le PPA. Et donc, ouais, je sais bien, on était là, ils nous ont et du coup, c'est 50 000$. 50 000$ le PPA. Et il faut que tu sois apte psychologiquement à l'EMS. Et que tu aies passé. Mais je l'ai fait. Mais je l'ai fait. Oui, t'es pas de casier. Je retombe à la fin. 50 000$. Oui, mais ils vont se cramer. Le problème, c'est que même si on a pas de casier judiciaire pour le moment, ils vont pas nous l'accepter le PPA. Ils sont pas cons, les gars. Jamais ils acceptent le PPA. Après, on peut quand même essayer pour voir comment ils vont réagir. Moi, ça me ferait énormément rire. Mais jamais il le donne normalement. Ah bah moi jamais je donnerais 50 000$. Ah ouais, bah t'es fou quoi. Pour payer ça, moi je me le sers. Hein. Peut-être, je pense après pour se foutre de leur gueule quand on aura de l'argent, ouais, on ira par juste pour se moquer d'eux, mais au début 50 000, on va gagner. Moi j'irai braquer le magasin d'ammunition pour avoir mon couteau. Hein. D'ailleurs, j'y pense, je suppose qu'on partage les primes. En gros, ce qu'on va faire, ça va être plutôt un système de caisse noire où en effet on va donner un peu de temps à autre à tout le monde. Mais on va faire un gros pot qui va surtout servir les intérêts de Kang Pei. Bah, c'est-à-dire que si on a besoin de véhicules et tout ça, c'est là-dedans qu'on va taper. Ok. Voilà. C'est une case générale, quoi. Voilà. Parce que sinon, si on doit donner à chaque fois à tout le monde et tout ça, on va se retrouver avec un petit peu de partout et le pognon va être jamais utilisé. C'est clair. Mais surtout que si on veut blanchir, il faut qu'on ait aussi des soucis. Ah ouais, non, d'accord. Mais c'était pour savoir comment calculer le truc. Donc on fera quand même des virements, par exemple si le vendredi, vu que j'ai tendance à pas être là, je ferai des virements sur le compte, je sais pas, moi je prends l'exemple de sur Song, vu qu'il a tendance à être là assez souvent aussi. Ah putain. Désolé commandant, chef. Quoi? Ah ça y est, bah t'as tapé tellement fort que je vois plus rien, ça y est, bravo. Bah au moins vous êtes dans les bons quartiers, c'est déjà ça. Il faut enlever les bouts de verre de vos yeux. Bah les pas que les bouts de verre à mon avis, c'est pris carrément la portière. Hein. Ah putain, mais ça y est, je revois. Arrête tes conneries. Ralentis, tu roules doucement là, putain. Dire qu'il allait pas vite, alors c'est bon. Il y a juste un petit trou sur la droite du véhicule. Un petit tout. Trou? Regarde toute la griffe que t'as. Non, mais t'as pété tout le pare-brise et les vitres devant là. Putain, mais ça déconne. Ça va, maintenant on a les cheveux au vent. Payez pas. Bah, déjà que t'as les cheveux rouges pour être discret, c'est bravo alors là. Oui, mais justement, ils seront focalisés sur moi pendant que vous filez discretos, ça c'est parfait. Ouais, t'es. Ça sera notre chèvre. Exactement. D'ailleurs, ça c'est un poste d'ailleurs qu'on pourrait faire. Un gars qui a un autre gars en moto et qui. Ah, tiens, une moto. C'est ce que j'étais en train de penser. T'as tu m'enculé les oreilles. Non, on va éviter les conneries maintenant. Ah, ouais, mais en plus, elle était garée au gouvernement en plus. Mais ils font un Tetris en fait, c'est ça? Non, je pense que ça doit être un endroit où on rentre dans Poudlard. Et ils ont dû mettre 50 000. Qu'est-ce qu'ils vont boire, je sais pas. C'est le gouffre de A. Parce que c'est. Le gouffre de Helm. Non, de A. Parce que quand tu tombes, tu fais A. Mais attends, t'as jamais t'arrêté. Voilà, c'est la plaque d'égout en fait, tu traverses sans le vouloir et puis voilà. Enfin bref. Quelle bonne conduite, quand même. Mes couilles. Franchement, vous savez quoi. Oh, le trail fume. Putain, j'ai cru que t'allais shooter la Punto. Ah, c'est qu'une Punto, oulala. Il a failli. Mais à un moment, vous allez vraiment faire péter la station essence, moi, hein. Moi, j'y vais parce que la voiture, elle est en train de fumer, ouais, je me casse. Mais non. Mais.
Mais putain, mais c'est ouais, pas ouais, possible d'être aussi manchot, hein. Et c'est bon, t'as quelqu'un, mais je m'en bats les couilles qu'il y ait quelqu'un, il a le droit de venir et on s'en bat les couilles. Vous avez vraiment... Putain, sans déconner, non mais Song, plus jamais tu reprends le volant, hein, c'est bon. Mais j'ai le permis en Corée, pas en US. Et comment ça, t'as pas passé le permis? Bonjour. Ah putain, c'est pas vrai. Oui, bonjour. On me fait conduire, moi j'ai pas le permis, écoute, je fais comme on veut. Tu dis que tu l'avais? Bien sûr. Allez, bonne journée à vous, hein. Et bonne journée à vous aussi. Putain, mais ouais, c'est pas possible, on passe pour quoi, espèce d'abruti, là? Aïe, mais arrête. Ça fait rire, en plus il nous regarde, le con. Non mais déjà, tu vas passer ton putain de permis. Allez, j'ai pas la souille. Attendez, il est vraiment en train de piquer une de nos bagnoles, là? De quoi? Oui, mais... Non, non, c'est bon, on s'en bat les couilles s'il se casse. Je pense qu'il prévient peut-être plus. Bah, c'est pas qu'il se casse, c'est qu'il s'est mis là. Il prévient la police du coup. Qu'il est au bagarre. Non, il avait juste son scooter. Du coup, on fait une petite réunion sur l'intranet. Non, ton petit scooter. Pour voir comment ça se passe pour demain ou. Ou pas. On verra bien comment ça se passe. Mais putain, vivement que j'ai ce flingue, parce que là, j'en peux plus. Une fois qu'il y aura le flingue là, les gens ils vont arrêter. Déjà, mais les gars, oh, on est sérieux ici, arrêtez de déconner, bordel. Oui, bordel. Bien sûr. moi on me dit de conduire, j'ai conduit et j'ai fait de mon mieux. Oui, mais bon, éclater de rire et tout ça en mode bah les couilles alors qu'il y a un gars qui regarde, ça fait pas sérieux ça. Mais on le connaît pas, il nous connaît pas et bientôt il nous connaîtra et on sera au bientôt. On est pas très difficile à reconnaître, hein, je dis ça, mais... Non mais ça, après, c'est pour bon. Pour l'instant, en affaires, etc., pour l'instant, on a rien monté, mais une fois qu'on sera dans le biz, bien sûr que je serai pas comme ça, mais c'est juste pour l'instant. Oui, bah, commence dès maintenant à être comme ça. Ah, mais... Après, faut pas que ça soit plus... Mais si je suis comme ça, il me faut un couteau. Non, bah on trouvera un couteau, t'en fais pas, c'est pas un souci. Il est capable de se planter lui-même. Ta gueule. C'était les... Ah, un couteau, puis c'est de l'art après. Ah. S'il y a bien un mec que j'ai pas envie de voir au couteau, c'est bien lui en face de moi. D'ailleurs, je croyais que vous aviez une surprise pour moi. Ouais, attends, je vais vérifier ça. Est-ce qu'ils sont disponibles? Si jamais t'as un 3 à tes chaussures. Ouais, tu feras gaffe quand même. Quoi? C'est quoi mes chaussures? T'as un trou à l'arrière. C'est pour aérer les talons? Non, je crois qu'ils sont fermés. Ils sont fermés. On te remontrera ça demain au pire. Vous êtes la radio? Radio testée. On est là. Merde, je pense que okay, on est là. J'arrive à l'étoile. Ça, c'est les joueurs là, j'ai vu. Hein. C'est Young? Ah. Mais il vient super tard? C'est Young, il est avec nous pendant tout le long, Young. Mais je sais pas vous, mais moi au niveau de la radio, je les entends pas, donc c'est peut-être. Éteins et rallume ta putain de radio. Ah, peut-être. Allô? À l'huile? Ouais, ouais. Pardon. Bah ah, voilà. C'est bon. Ah. Bon, les gars, moi je vais aller me coucher. Ok. Vous allez faire une sieste? Bah écoutez, ouais, moi je travaille. Il faut des sous. On verra ça du coup demain au niveau de. Malade. Il est fou malade. Il est beau lui. Il a une coupe comme moi. Attends, je vais lui voler son sa Peugeot là. On lui vole sa caisse. Arrête tes conneries. C'est une voiture de location, on s'en bat les couilles. Arrête. Ah non, j'ai cru qu'il allait partir de là. Occupez-le. Ah ouais, vas-y. Non. Vous arrêtez vos conneries maintenant. Stop. Il va gagner, lui. Il va faire tuer. Oula. Je vais mal et vous. Ça va. Ah ouais, t'aurais dû y aller. Non, vous inquiétez pas. Tu me prends une poteau, c'est une Peugeot. Bonne soirée. On s'en bat les couilles, quelle voiture c'est. Mais c'est comme ça. Oh là là, elle fait rougir le moteur. Il a failli. Je crois que t'as pas touché son rétro. Non, j'ai rien touché, il m'a pas touché. Tu lui as dit quoi? Bon, allez, moi je veux y aller. Je t'ai posé une question. Comment? Tu lui as dit quoi? J'ai pas entendu. Tu lui as dit quoi?
Ouais, il m'a dit si ça allait, j'ai dit oui. L'autre. C'est... Mmh. Il m'a juste demandé si ça allait. Ah ouais, regarde, j'ai trouvé la touche pour tomber. Enfin, j'ai trouvé le muscle. Regardez. Tu me fatigues. Regardez. Ah. Je vais me coucher, les enfants. Hein. Non, allez. Non, pas trop, venez. On a besoin de vous. Et du coup, moi, j'ai pas eu ma surprise. Oui, bon, tu l'auras demain. Au pire, tu... C'est pas grave, ça peut attendre. Bon, bah, très bien. T'as pas été assez vénère, sage. Tu me passes vénère sur un véhicule, y'a pas de problème. Oui, bah, pas dans le quartier. Non, non, bien sûr. Ah, mais ils dorment là, dans la chiotte. Vraiment, vraiment qu'un honneur, hein, putain. Ah, qu'est chiotte. Ouais, ouais, allez. J'ai cru que vous étiez parti. Et tu parles, et tu parles comment de ton boss là au juste? J'ai cru que vous aucun honneur dans les toilettes. J'ai cru que vous étiez non, là deux secondes. Deux secondes. T'as osé dire que j'étais sans honneur là. Mais non, j'ai dit que vous étiez parti dormir dans les chiottes et du coup, ne me mens quel pas. Honneur. Bah si, bah, j'ai dit ça ou pas, oui. Song? Bah oui, il a dit dormir dans les chiottes, mais aucun honneur parce que du coup, dormir dans les chiottes, c'est pas de votre rang. Oui, on est d'accord. Il a dit que j'avais aucun honneur. Et parce que vous dormez. Non, ça n'a aucun honneur. Moi j'interprète, hein. Mais non, j'ai cru que vous étiez parti dormir dans les toilettes et je me suis dit, mais ça n'a pas d'honneur de dormir dans les toilettes, c'est ça que bon, les mots ont une importance. Donc fais gaffe à ce que tu dis. Clair ? Et net. Allez, dégagez. Quelle touche pour ? Hein? Mais... Ah mais oui, parce que j'ai passé comme ça. Je suis passé comme ça au dernier moment, oui. Bon. Ah putain, j'en peux plus. Il fait super chaud, putain. Super chaud. Bon, merci pour la bonne soirée. Ah, t'as fait partie de la mafia, je pense que tu devrais les calmer, je pense qu'ils soient tout permis. Mais ça, mais oui, mais ça, le truc, c'est que j'ai pas d'armes pour l'instant, donc les coups de pression, je peux pas les faire. Donc bon, je vais venir sur Discord après, peut-être, ouais. Peut-être. Mais non, oh non, il est minuit 2, non, laisse tomber, je vais aller me pioter direct. Je vais aller me pioter. Ah. Je sais pas si vous avez entendu mon coup craquer, mais bon. Bah écoutez, merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Merci pour les follow et tout ça. Je vous dis du coup, bonne nuit et à demain du coup. Et normalement, on commence dès 17h. Dès 17h, on sera là normalement à peu près. Donc ça va y aller sévère et dès qu'on aura le point à 18h, enfin j'espère que ce sera à 18h, ça va être caviar. Caviar. Allez, ciao.